Oh! Mais vous laissez comment? Depuis le matin? Oh, toi aussi, chérie. N'importe quoi. C'est l'offre du haut de Gabon Télécom, des appels et internet en illimité. Et le tout dans un seul abonnement. Maman! Donc c'est moi qui étais en retard. L'offre du haut de Gabon Télécom, c'est des appels et internet en illimité. Et tout ça seulement 25 000 francs par mois. Non, Gabon Télécom, c'est le top. C'est le top. L'offre du haut Gabon Télécom, c'est sans surprise. Gabon Télécom, l'avenir vous appartient. Maintenant que nous sommes retraités, nous avons décidé de ne plus aller au village. Nous allons rester ici. Tes parents viennent de dire quoi? Quoi? Tes parents viennent de dire quoi? Ils vont rester. Ils restent où? En tout cas, ils ne viendront pas dans ma maison. Je disais donc, nous nous sommes rapprochés de la CENI et là, nous avons acheté une très belle villa. Grâce au lancement de la première phase du programme de construction de logements sur l'ensemble du territoire, la CENI vous propose des maisons, des appartements et des parcelles viabilisées. La CENI, le promoteur immobilier de tous les Gabonais. Papa, toi aussi. Il fallait commencer par là. Parce qu'il n'y a rien d'aussi merveilleux qu'une famille réunie. Parce qu'il suffit parfois de peu pour renouer avec la plus belle des histoires. Parce que nous croyons que la réussite est à la portée de tous. Gabon Télécom vous offre bien plus que le meilleur des télécommunications. Bien plus que le fixe, le mobile et l'Internet. Nous vous offrons le meilleur de vous-même. Hier, aujourd'hui et demain. Gabon Télécom, l'avenir vous appartient. Ça va, Willy? Ouais, bonjour, grand Serge. Alors, les nouvelles? Bon, les nouvelles, c'est que je t'ai trouvé un magnifique terrain. Mm-hmm. D'ailleurs, vous êtes déjà à 3 ou à 4 à vouloir l'acheter au grand-père, mais comme toi, tu es mon bon grand. Montre-le-moi, donc, montre-le-moi. Tu sais que tu attends comme dedans. Hein? Non, grand Serge, pas de soucis. Okay. En tout cas, c'est juste à côté là. C'est encore loin? Non, grand Serge, c'est plus loin, c'est juste devant là, on est déjà presque arrivé. On aperçoit même déjà, viens seulement, viens. Mais voyons, acquérir une parcelle avec la CENI, c'est plus sûr. Grâce au lancement de la première phase du programme de construction de logements sur l'ensemble du territoire, la CENI vous propose des maisons, des appartements et des parcelles viabilisées. La CENI, le promoteur immobilier de tous les Gabonais.
Non, ne me dis pas ça, Jean-Philippe. Attends, est-ce que mes oreilles sont bouchées ou bien j'ai mal entendu? Tu as épousé qui? Adèle. Adèle? Attends, Jean-Philippe. Tu as toujours crié haut et fort que c'est moi que tu aimes. Que c'est moi ta femme. Que c'est moi que tu allais épouser. Adèle était quand même décor dans ta maison. Que tu n'en as jamais aimé. Elle est juste là comme ça. La femme de ta vie, c'est moi. Et tu débarques un peu, ma tête me dit que tu vas épouser Adèle. Et moi, je pensais à moi. Tu as vu tout le temps que j'étais attendue. Zizi, je t'aime. Aimé? Oui. Je t'aime. Tu m'aimes, mais tu épouses une autre personne. Écoute, je t'aime. Tu appelles ça de l'amour, ça? Mais bien sûr que je t'aime, chérie. Et je t'aimerai toujours. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? S'il faille ouvrir mon cœur tout de suite, on verra l'amour que j'ai pour toi. Mais là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi que mais tu là, je me trouve dans une situation qui m'oblige à le faire. Quelle situation? Adèle est de nouveau enceinte de moi. De nouveau enceinte? De nouveau enceinte, ça veut dire que il est d'abord, c'est ça? Oui. Attends, tu me parles pour la Jean-Philippe. Tu l'as connu avec ses deux gosses. Et aujourd'hui, tu me dis que non, vous avez un enfant. Quel enfant? Ces deux enfants, elle a amené chez toi. Justement, c'est là le nœud du problème. Elle a amené sa première fille. Mais le deuxième boss, le garçon de 10 ans là, il est de moi. Jean-Philippe! Comment tu peux cacher un enfant de 10 ans? Toi, les hommes! Vous n'avez pas le cœur, hein? Tu dis que tu m'aimes quoi, le cœur? Ou bien le cerveau? Je t'ai aimé avec le cœur et je t'aime toujours avec le cœur et je t'aimerai toujours avec le cœur. Ça, c'est pas le cœur, ça. Avec le cœur, on ne trahit pas. On ne ment pas. Suzy, je t'aime avec le cœur. Tu ne m'aimes pas. Arrête de crier, je t'aime là. Je t'aime. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais. Et sincèrement, je te demande pardon devant Dieu et les hommes. Mais si je t'ai menti, c'est par amour. C'est la trahison. Parce que c'est avec toi justement que je revais avoir ce garçon-là. Même celui qui est dans le ventre, c'est avec toi que je voulais l'avoir. En un mot, je voulais avoir mes enfants rien qu'avec toi. Fonder une famille avec toi, me marier avec toi. Mais quand même, Suzy, mets-toi à ma place. Depuis des années que nous sommes ensemble, même pas l'ombre d'un retard, même pas l'échantillon d'un retard. Hein? Donc tu m'étais des stériles. Je n'ai pas dit ça. Oh. Mais quand tu mets pas d'enfant, l'ombre d'enfant de ma retard, c'est que je suis stérile. Je n'ai pas dit ça, Suzy. Je n'ai pas dit ça. Donc le problème, c'est moi alors. Mais tu as la réponse à ta question. Il y a toi, il y a Adèle. Je suis au milieu. Voilà Adèle qui me fait les enfants. Sincèrement, devant Dieu, les hommes. Toi-même, tu as la réponse. Il faut bien que j'aie des héritiers. Il faut que j'aie une descendance. Il faut que je me responsabilise. Jean-Philippe, fais pas ça. Pardon. Jean-Philippe, pardon. Pardon, Jean-Philippe, je ne peux pas supporter. Maman Léa, je suis comme ma mère, Maman Léa, c'est toi qui me donne la parole de Dieu. Maman Léa, mon Dieu. Est-ce que j'ai un mauvais caractère? Je suis mauvaise. Dis-moi peut-être que j'ai quelque chose qui ne va pas, Maman Léa. Est-ce que tu vois les hommes ici? Mais là, pourquoi il me fait ça? Il vient me dire que c'est fini. Il ne veut plus, Maman Léa. Calme-toi, ma fille. Maman Léa, je ne Calme-toi. Peux pas. Je ne peux pas. Tu sais, ma fille, je vais te dire quelque chose. Dieu seul sait ce qu'il fait. Calme-toi. Terex. Bonjour, Yaya. Bonjour.
Je t'attends depuis. Bon, je te fais venir pour un cas. Oui, c'est le problème de Pinky. Ah, Pinky? Ouais. Il est très déprimé. Et quand c'est comme ça, ça c'est les 5 mondes là, qui veut qu'on le mange. Peut-être là, si c'est pas au bouillon, peut-être sauter. Pardon, excuse-moi. Bien. Donc tu disais, il est très déprimé. Oh, Pinky. Vraiment, il ne se sent pas bien. Il faut que tu l'amènes chez le vétérinaire. Celui qui a la sortie de la ville. Voilà. 200 000. 400 000. 500 000 encore. Ça fait 200 000. 200 000. Là, le chauffeur vous attend en bas. Et là, c'est pas mieux 300 000, on ne sait jamais pour les surplus. Tu reviens me voir. Ok. Je voulais profiter aussi. Ouais. Comme normalement le matin quand tu m'as appelé là, pendant que mon téléphone, c'est moi du temps, tu voulais t'appeler déjà. Uh-huh. Comme on a la fin du mois, là où je loue à Isaac là-bas, uh-huh. la chambre là-bas normalement c'est 60 000, l'échange c'est 2 000. Bon, j'ai déjà payé l'échange, ça c'est pas un problème. Je sais pas si. Je n'ai plus rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus rien. C'est tout ce qui me restait. Oh, yaya. Terek, c'est tout! Apprends, tu te débrouilles, mon petit. Yaya, Pinky, lui, c'est débrouillé, il a 200 000. C'est comme ça. C'est comme ça. La vie. J'ai dit, c'est comme ça. Vas-y, le chauffeur vous attend. J'ai compris. Et dès qu'il y a un souci, tu reviens directement ici. Attends, Pinky, toi là, tu vas voir. Bonjour, je vais te manger. Qu'est-ce que tu viens de dire là, s'il te plaît? Non, j'ai dit Pinky, il est très joli, il est beau. Ok, d'accord. Alors, mon poussin, où est-ce qu'on en était, mon Dieu? Tu me parlais de mon voyage, vu que tu dois me remettre des sous. Oh, merci, tu es trop chou. Merci. Ça, c'est tout ce que tu me donnes. Ça va, toi aussi, c'est peu. C'est peu pour mon voyage. Je t'ajoute ça. Oh, merci. Pour ça, tu mérites un gros, gros bisou. Adèle, amour, viens, s'il te plaît. Assieds-toi, maman. Je suis en train de faire du rangement dans la chambre. Oui, laisse, ça peut attendre. Assieds-toi. J'ai quelque chose d'important pour toi. Chérie, oui? On revient du village. Hein? Mm-hmm. Au mariage de mon petit cousin, là. Mmh. Il a épousé sa deuxième femme. Je sais. Et il est moins âgé que moi. Et non seulement cela, la bonne nouvelle que tu m'as annoncée là, de celui qui est dans le ventre là, le deuxième qui arrive. Donc tout ça là mélangé vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Voici pourquoi j'ai décidé qu'il est temps. Après toutes ces années que toi et moi on a déjà passé ensemble, il est temps que je t'honore. J'ai décidé de t'épouser. Ah! Oh! Oh quoi? Chérie, mais ça c'est une bonne nouvelle que tu m'annonces là? Hey, j'ai dit je vais t'épouser. Non. C'est vrai que d'aucuns pensent que pour se marier il faut avoir des centaines de millions. Mais moi, je me suis décidé. Donc, même s'il faut vider la mer, même s'il faut décrocher le ciel, je vais t'épouser. Tu as compris? Merci, amour. Merci beaucoup, mon Dieu. Je suis heureuse. Tu es heureuse? Mais je suis heureuse, chérie. Mmh. Quelle femme ne serait pas contente après une aussi bonne nouvelle? Alors, si tu es heureuse, par rapport à cette nouvelle, c'est que moi aussi, je suis heureuse. Mais bien sûr! Oh. Hey.
Ton téléphone sonne. Numéro inconnu à l'heure. 21h. Allô? Oui, c'est bien Monsieur Rekula, lui-même, Woodville. Ah, Monsieur le secrétaire général. Mes respects, Monsieur le secrétaire général. Oui. Non. 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 Moi, directeur général. Non, excusez-moi. Avec tout le respect que je vous donne, monsieur le secrétaire général. Excusez-moi. Parfois, il y a confusion des noms. Oui. Moi, c'est monsieur Rekula. Jean. Philippe. Ah, c'est le monsieur. C'est monsieur le ministre lui-même qui vous a demandé de me transférer la nouvelle personne. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis diplômé dans ce sens-là. Ah, merci, monsieur le secrétaire général. D'accord, monsieur le secrétaire général. D'accord. D'accord, monsieur le secrétaire général. Oui. Demain, très tôt le matin, je serai déjà là-bas. Pareillement, monsieur le docteur général, monsieur le secrétaire général. Que Dieu vous bénisse avec votre famille et vous garde. Non, amour, qu'est-ce qui se passe? Directeur général. Qui est nommé directeur général? Moi. Moi. Jure. Moi. Jure, amour. Hé. Où? Rekula, Agnabé. Mon Dieu, mon amour. Là, là. Non. Ça, c'est vraiment la joie dans notre maison. Non, ah, voilà, voilà, regarde. Oui. Regarde, c'est toi qui avais amené ça, non? Oui. Car la volonté de Dieu doit s'accomplir. Même les obstacles deviennent des... avantages. Oh non, mon mari, mon mari. Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour. Divine amour. Accomplis tes desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue. Pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime. Ah, tiens. Papa d'amour, bonsoir. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout stressé, qu'est-ce qui se passe? Tu es pas là. Je ne suis pas. Oh, en plus tu fais de la fièvre. C'est pas la fièvre. Allez, viens, que je te fasse. Chérie, c'est pas la fièvre. Bonne piqûre, allez, viens. Chérie, je ne suis pas malade. Non, viens. Pardon, pas ce soir, s'il te plaît, chérie. Non, mais tu sais, tous les jours, bébé, allez, allez. Venez d'avant. Je vais défoncer la honte. Chérie, on va le voir, on va le voir. Pas comme d'habitude. On va te dire, on Voisin. Comment ça va? Ouais, ça va. Et qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai passé là, j'entends dire voisin, t'es pour un problème ici. Ah, pour ça, non, t'inquiète. Non, ne guette pas, il n'y a rien là-bas. Il a une petite fièvre, c'est pourquoi je lui fais une bonne petite injection. Il n'y a rien de grave, tu vois, il n'y a rien de grave. Donc, vous êtes sûr que ça va ici? Ça va, c'est la joie qui le fait pleurer. Oh, tu reconnais, non, le voisin, quand la joie le dépasse, il pleure, tout mais ça. Mais je peux quand même le voir. Maintenant? Oh non, mon secret est dehors là-bas, non. Et tu peux pas le voir pour l'instant. Quand il va se rhabiller là, tu le verras. Allez, au revoir, je dois travailler. J'ai beaucoup à faire. Faut quand même lui dire bonsoir de ma part. Ok, bon. Divine amour, je trouve en toi la joie. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est tout propre le visage de mon époux. Le visage d'un DG. Mais c'est ça même. Oh, je suis la femme la plus heureuse du monde. Ton téléphone. Mais vas-y, décroche. Oui, allô? Oh, Marco, comment tu vas? Ça va, c'est tout doux ici.
Là, je suis au jardin avec ton beau-frère. En tout cas, je te rappelle tout à l'heure, hein. Bisous. C'était qui? Amour, arrête tout doucement de poser des questions bizarres. Si ce n'est toi ou ma copine, qui peut m'appeler aussi? Ah, félicité. Mais bien sûr. Bon, écoute chérie, je dois aller travailler. Je te laisse. Hein? Oh, attends tout petit peu. Non, 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 attends quoi chérie? Toi aussi, mets-toi à ma place. Quoi? Il y a seulement quelques jours que j'ai été nommé. Donc, il faut que je sois à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée par les autorités. Je ne refuse pas parce que c'est le bien de notre maison. Ah oui, hein? Hein? C'est bien d'être heureux, mais il faut travailler. Excuse-moi. Mouah. Ok. Merci, merci. Tu passes une bonne journée et tu ne rentres pas tard, hein? Promis, juré, ce sera l'heure. Bon, à tout à l'heure, c'est bon. Fais germer ma vie devant ton trône. Ah, félicité. Mon beau-frère. Comment? Ça va? Ça va? Quand tu as appelé ta soeur, elle a dit. J'étais à côté de la maison. Appelé? Bah oui. Ta soeur a reçu le coup de fil tout à l'heure, on t'a assis ensemble. Ton coup de fil. Ah, excuse-moi, mon beau-frère. Tu sais, avec les multiples coups de fil et les problèmes de la vie, j'avais complètement oublié. Effectivement, je l'ai appelée. Ouais, comme quoi, l'oubli est humain. Ah, elle est là. Ouais, je l'ai laissée là-bas, assise, dans le jardin, au bord du lac. Ok. Là, ouais. Je vais au travail. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend là-bas. Mon beau-frère, tu es trop bien habillé. Merci. Guinde, directeur général. Bonne journée. Merci, pareil, moi. Allô? Allô, bonjour chérie. Comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien, je suis à la maison. Mais attends, tu as failli me mettre dans des mauvais draps? Hein? Est-ce que tu sais que quand tu m'as appelé là, mon époux était juste à côté de moi? Non, mais je t'ai dit que je grelottais. Heureusement encore que j'avais enregistré ton numéro avec le nom de ma copine. Je t'avais demandé de ne jamais m'appeler lorsque je suis à la maison. Tu attends que moi je t'appelle. Bon, finalement, qu'est-ce que tu voulais? Attends, mais si ce n'est que ça, quand j'arrive à chaque fois chez toi, je t'apporte le nécessaire, non? Bon, c'est une affaire classée. Non, non, je ne suis pas tout seul. Je suis avec ma petite sœur que tu connais, là. Elle était de passage, elle est venue me faire un coucou. D'accord, je te la passe. Allô? Bonsoir ma belle-sœur chérie. Bah, ça va et toi? Bah, je suis là, j'étais de passage, je suis descendue faire un coucou à ton chéri. Bah oui, tu sais que je protège tes arrières, tu es comme ma belle-sœur chérie. Oui, ça va, on est là. Ok, je te passe ton chéri. Justement, ma belle-sœur chérie, je voulais profiter de l'occasion pour te demander un service. Bon, en fait, j'ai besoin d'un nouveau téléphone parce que le mien, je l'ai perdu dans le taxi. Ok, merci d'avance. Bisous. Oui, ma chérie. Bon, à tout à l'heure. Bisous, mon chéri. Ciao, Adèle. Tu es encore avec le petit rigolo là. Avec le changement de statut de ton mari. Hey, félicité, tu arrêtes, hein. Tu ne viens pas de très bonne heure comme ça chez moi dans ma concession et venir me faire des leçons de morale. Pardon la grande, c'était juste un conseil. Oh. Parce que je vois comment l'homme là te garde. Les voitures, la maison, tout ce qu'il t'a offert là. Tu penses que si cet homme là te quitte, le petit Mandjango que tu as trouvé là peut t'offrir tout ce que ton mari te donne là. Hey, arrête! Tu arrêtes ça. Depuis plusieurs années, je sors avec ce petit mec-là. Hein? Mon mari n'a jamais su ça. C'est maintenant aujourd'hui qu'il va savoir ça. Ou bien c'est toi qui vas aller lui dire ça. Oh, avec votre Congo, ça là. La grande. Je suis même ta grande sœur. C'est toi qui es même plus âgée que moi. Donne-moi ça. Regarde le soleil, pardon. Je veux l'argent du taxi. Je ne te donne rien aujourd'hui. Tu auras que zéro comme ça. Circule. Dégage. Pardon. Je chanterai
Oui, ici le doyen à l'appareil. Merci. Alors, je vous appelais pour un travail. D'abord, je suis un tout petit peu surpris. Hier soir, je suis assis devant ma télé et il y a une nomination d'un jeune de ma contrée. Comment veux-tu qu'on puisse nommer quelqu'un sans me former, moi le doyen de la contrée? C'est pas possible. Et à quel poste? Directeur général de Gaboma BTP, une société qui regorge autant d'argent. Enfin, on ne peut pas propulser des jeunes aussi facilement. Nous, on a souffert dans ce pays. Il faut que vous fouillez dans sa famille tout ce qu'il a fait, les femmes, les enfants, s'il en a eu, toutes les bêtises, pour nous permettre de le déstabiliser. Donc, j'attends tous ces éléments à mon bureau. Avant 17h. Merci. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? Mais tous les gars de notre contrée là-bas disent que c'est toi qui as boosté les moyens, les pistons et tout et autres pour qu'ils puissent gagner. Ah bon? Vous savez cette nomination? À quoi elle peut me servir? À me nuire! Comment ça? Cette société, Gaboma BTP, il est directeur général. L'argent là, c'est pour sa mère. Son père, c'est pas pour ta mère et ton père. Alors ça, je ne permets pas que quelqu'un d'autre puisse émerger devant moi. Je suis pas d'accord. Ça, jamais. Mais, Yaya, tu n'es pas éternel. Faudrait bien qu'un jour, un jeune puisse te remplacer. Je dis, tu la boucles. Est-ce que tu me saisis? Tu n'as rien à me dire, toi. Tu sais, ce garçon, il va être riche demain matin. Et tu vas faire un travail. Tu dois me prouver que je suis ton aîné et que tu es mon cadet. Tu as toujours dit que je t'ai jamais donné du travail. Oui. Je t'ai jamais donné d'argent. C'est ça. Maintenant, je vais t'en trouver du travail et te donner de l'argent. Enfin, je te remets une enveloppe. Je veux un travail très bien fait. Sans bruit, sans trace. Tu vas me recruter des filles, des jeunes hommes, pour déstabiliser, si possible, éliminer monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Rekoula. Voilà. Mais Yaya, monsieur Rekoula, c'est quand même un gars de notre contrée. Je m'en fous. Je suis le doyen. Répète-moi ça, je suis le doyen. Je suis le doyen. Il est mon refuge. Il est mon refuge. C'est très bien. On voit que la famille, c'est important. Le lien de sang, c'est quelque chose. Je te souhaite bonne chance. Chérie, arrête de t'inquiéter. Relax. Regarde comment tu transpires. Tu lui as déjà remis l'argent. Alors, considère que le travail est déjà fait. Merci. Tu sais quoi, bébé? Tu es le seul. Tu es le meilleur. Et tu le resteras toujours. Oh, merci, ma pépite d'or. Toi, moi, tu as compris comment fonctionne le monde. Je t'arrose de ces beaux billets. Moi, je serai toujours épaté devant sa grandeur. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Il est le Tout-Puissant, oh Jésus. Allô? Oui, Jean-Philippe. Bonjour, c'est Jean-Paul. Oui, je suis en train d'organiser une collation avec les villageois là. Hein? En ton honneur, pour ta nomination. Voilà. Non. Non, tous les villageois auront quelque chose. Ok, ça marche. Il est où, Minko? Ah, Minko. Minko, tu es un ami. Tu es même un frère pour moi. Bon, pour cela, choisis ce que tu veux là. Chérie, viens choisir. Tu me prends aussi le liqueur. Bois-toi.
Voilà. Merci. Je pars. Ok, tout à l'heure. Ok. Bon. Je vais aussi enlever pour nous. Prends-moi ça. Mets-moi ça dans ta chambre là-bas. D'accord. Ok. Toi, tu me prends une palette de jus. Tu me mets ça dans ta chambre. Et vous deux, distribuez à tous les villageois. Commencez par le chef de village. Hein? Vous aimez trop le courant. Vous êtes trop, il fait chaud. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Vous aimez le courant, il fait chaud. On ne peut pas aller au chaud. Oh! Oh! Bonjour, tonton. C'est comment? Bonjour. C'est quoi? Vous allez où? Tonton, pas à la rivière. Quelle rivière? La rivière où on se lave, on va aller se laver. Vous ne savez pas que c'est une concession privée? Hein? Remontez chez vous. Allez-y voir vos parents. Dites à vos parents de créer une route de l'autre côté là-bas jusqu'à la rivière. Surtout toi. Toi. Mais toi, j'ai fait quoi? Ton père est très impoli. Très impoli. Et toi, tu es impoli comme ton père. Vraiment. Je ne veux plus te voir dans ma concession. Allez, disparaît. Mais toi, c'est pas là. Vous partez. Pas là, Rita. On t'a demandé de partir. Non, non, pas vous. Pas vous. Oh. Il est impoli comme son père. Vous là. Venez un peu. Tu as vu? Voilà. Ça va? Ça va. Vous allez à la rivière? Oui. Ah, c'est bien. C'est belle, hein? Merci. Vous êtes les enfants de qui? Papa Mambo. Oh! C'est le vieux de Mambo. Le Mambo, c'est un monsieur très gentil. C'est quelqu'un de bien. Oh là là. Bon, allez-y d'abord à la rivière. Hein? À votre tour, on va essayer de partager quelque chose ensemble. Ok, tout à l'heure. Tonton, on revient. On vous attend. Ne courez pas. On va lui donner l'élection. Ah, c'est bien. Hein? Oui. Très bien. Elle est bien pour moi. C'est bien. Miko, j'ai bien fait de chasser ce petit-là. Il est impoli. Mais tu as bien fait. Ça, c'est le petit qui finit les petits au village. Oh, ben. Oh, tu as bien parlé là. Shalom mes frères et sœurs à la paix du Seigneur. Shalom pasteur. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour le roi des rois? Celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés ce matin. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis un homme joyeux. Tout simplement parce que le Seigneur m'a permis de partager un terme avec vous ce matin. Ce thème de ce matin est celui du don, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est quoi le don? Que nous dit 2 Corinthiens 9, verset 6. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, je suis un homme comblé grâce à mon épouse. Je me reconnais comme quelqu'un fort pour mon épouse. Un homme comblé de choix. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes rencontrés, j'étais un homme chiche. Aujourd'hui, regardez ce que nous avons pour nous. Parce qu'elle m'a dit, chérie, donne avec amour. Aujourd'hui, nous avons pu construire cette église. Ça ne mérite pas l'acclamation. Merci, chérie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous demande de donner avec amour. Comme le Seigneur qui a donné son corps pour nous sur la croix de Golgotha. Libère-moi la chaise. C'est à toi que je parle, libère-moi la chaise. Rose, libère-moi la chaise. C'est quoi ton problème? Tu as déjà une place là-bas, mais reste là-bas. Maintenant, tu retors quand je parle. Tu parles quand je parle. Écoute-moi bien. Ici, c'est l'église de mon père. Je m'assois où je veux, comme je veux. Je me fiche pas mal de savoir où j'ai commencé le culte et où je vais le terminer. Ça, c'est ma place. Et tu quittes de ma place. Tu quittes de ma place. Je ne veux pas te voir là. Quitte. Quitte à ma place. Ce matin, bien-aimé,
pour savoir si le message est passé. Je vais demander aux chantres de nous accompagner. Amen. Parce que les frères vont donner avec amour, je suis convaincu. Pour le Seigneur, le roi des rois. Masubuata. Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Pasteur, oui, c'est la sœur Aura. Pour les consultations privées que vous organisez, elle était la seule que j'ai retenue, car elle a pu payer les 50 000 francs que vous exigez pour être reçue. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Amen. Sœur Aura, pasteur est là. Oh, bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Le culte de ce matin était vraiment très touchant. Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Comme vous le savez, je suis dans votre église depuis déjà très longtemps. Je me fais souvent savoir par les offrandes. La dernière fois, j'ai signé un chèque de 6 millions de francs CFA pour l'achat de la nouvelle sono ainsi que de la déco. Béni soit l'Éternel, car il est bon, ma fille. Amen, pasteur. Car celui qui donne recevra ou sentit pour ce qu'il a donné. Amen, pasteur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, pasteur, je vais faire pour vous expliquer un souci personnel. Quelque chose qui m'empêche même de dormir, pasteur. J'ai presque tout dans ma vie. On m'appelle même la fille riche. Mais je n'ai pas d'homme. Tous les hommes avec lesquels je suis sortie à la marine me fuient, je ne sais pas ce que j'ai. Je viens donc vers vous, pasteur, pour que vous puissiez, en tant qu'homme puissant, briser cette situation, décanter cette situation. Je veux un mari dans ma vie parce que c'est la seule chose que je n'ai pas encore. Ma fille, je ne suis qu'un instrument de Dieu. C'est Dieu qui opère les miracles. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole, croyez sans avoir vu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ma fille, ton problème est un problème très grave. C'est un problème mystique. Amen. Oh, oui. Et ça, c'est depuis le ventre de ta maman. Amen. Amen. Ils ont décidé que tu ne veux pas avoir de mari. Tu ne veux passer ton temps à déambuler dans les rues de la marine. Mon nom de Jésus, ma fille. Si tu crois, tu seras délivré. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, je prophétise dès aujourd'hui. D'ici la semaine prochaine, si tu crois, ma fille, tu vas avoir un mari. Et précisément dans cette église. Amen. Je reçois, pasteur. Amen. Je reçois. Ma fille, ton cas est très grave. Comme tu participes beaucoup dans cette église, tu vas trouver seulement une somme de 500 000 seulement. Amen. C'est un prix forfaitaire. J'étais au courant pour la somme de 500 000 francs. Et cela a été fait. Gloire à Dieu.
Amen. Le Seigneur va exaucer ta prière. Amen. Mais pasteur, je vous dis que c'est un problème qui m'empêche de dormir. Je veux un homme maintenant, pasteur. Je souhaiterais donc vous motiver davantage. C'est pourquoi j'insiste pour vous remettre cette somme de 500 000 francs CFA en plus. Ma fille, il faut savoir que la main qui donne reçoit. Amen. Et il suffit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Car Dieu opère des miracles. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Pour ton problème, nous allons faire des délivrances accélérées pendant 3 jours. Avec des jeûnes accélérés. Amen. Tu trouveras un mari, ma fille. Amen. Dieu, on va prier pour toi. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, ma fille. Amen. Pasteur. Oui? Trouvez-vous normal ce que nous venons de faire? De quoi parles-tu? Vous avez consulté cette dame et les autres qui n'ont pas pu avoir cette somme pour la consultation. Ne méritaient-ils pas aussi d'être consultés? De quoi parles-tu? De cette discrimination, pasteur. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons marcher selon la voie du Christ. Lorsque le Seigneur était sur terre, n'a-t-il pas consulté gratuitement? N'a-t-il pas dit aussi que l'homme mangera à la sueur de son front? C'est ça. Franchement, toi tu te prends pour qui? Qui te donne le droit d'ouvrir ta bouche ici? C'est ton problème si mon mari demande 50 000. Toi te concentres en quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors nous devons toujours cultiver la justice. Nous ne devons pas faire de distinction de la couleur de la peau. Ni voir la poche des fidèles. Nous devons servir tout le monde. Tu es fou. Tu es fou. N'amène pas les pauvres dans l'église de mon mari. Je te préviens. Madame. Non, 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 ça je refuse. Donc seuls les riches doivent venir. C'est comme ça. Mais tu penses que nous ici, c'est gérer les pauvres? Mon mari est là pour les pauvres. L'onction que j'ai reçue. Franchement. C'est pour délivrer les pauvres. Tu m'arrêtes ça, petit. Ça veut dire quoi? Tu veux me réprimander dans mon église? Me faire la remontage dans mon église? Ils étaient où quand j'ai conçu ce baptiste? Pas ici! Je te dis bien, pas ici! Si c'est un monsieur, si monsieur aujourd'hui, ça s'arrête! Si tu veux jouer au costumat, c'est dehors! C'est pas dans l'église, mon mari! Je te préviens! Si je te préviens! Si tu continues à parler encore, je demande à mon garde-corps de te foutre à la porte! C'est sa place dehors! Ça veut dire quoi? Lorsque tu arrives ici, elle était grandement ouverte cette porte! Mais tu te prends pour qui? Jésus, Jésus. Tu m'arrêtes ça? Pépélé, pépélé. Pépélé, pépélé. J'ai un toit pour dormir. Ma bonne santé. Tout ça à cause de Jésus. Rose, écoute Rose, je sais que tu es fâchée pour mon geste de tout à l'heure et je suis désolée pour ça. Je ne voulais pas t'humilier, ce n'était pas mon intention. Mais tu as cette manie de souvent faire les choses sans me consulter et ça ne me plaît pas. Et tu le sais, mais tu le fais quand même. Il faudrait que tu saches et que tu retiennes que dans cette église, je passe avant toi. Parce que c'est l'église de mon père et c'est nous les dirigeants. C'est nous qui prenons les décisions. Sur ce, c'est sans rancune. Hein? Dans la paix du Christ, quoi. Bon dimanche. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce que tu fais dans l'église? Tu crois que je ne suis pas au courant? Les petits mots que tu envoies à mon mari à travers les fidèles. Les messages que tu envoies sur son téléphone, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas parce qu'on est femme de pasteur qu'on n'a pas un cœur. Je suis une femme, j'ai un cœur comme toi. Une femme qui peut bien te corriger.
qui peut te mettre à ta place? D'ailleurs, le bon Dieu accepte de temps en temps qu'on corrige des personnes comme toi. Écoute-moi, hein. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Mais mon homme, tu arrêtes. Tout ce que tu avais l'habitude de faire là, arrête. Parce que la prochaine fois, tu vas me croiser sur ton chemin. Et tu verras. Est-ce que tu m'entends? Tu vas me croiser sur ton chemin, tu as compris? Il faut arrêter. Est-ce que tu m'entends? Il faut arrêter. Fille de pasteur, fille de pasteur. Tu sais, hein, le bon Dieu est parti de cette église il y a bien longtemps. Allô, bonjour mon Yaya, comment ça va? Comment ça, ça ne va pas? C'est quoi cette voix-là? Quoi? Un tract? Sur internet? Ok, calme-toi d'abord, calme-toi. Oh, ok, c'est sur quel site? D'accord, je suis à mon bureau, je vais me connecter tout de suite et je te rappelle, d'accord? Ok, calme-toi, calme-toi, je te rappelle. Ok, bisous, tout à l'heure. C'est quoi ça? Tu venais? Oui, au fait, tu n'es pas venue par ici. J'ai dû réfléchir en cours de route. Oui, bon, je vais au restaurant avec mon petit cœur. Hein? Si je ne te remets mon téléphone, comme ça, si mon époux appelle, tu lui dis que je suis à l'église en train de prier. Tu comprends, non? Comme tu as l'habitude de faire, s'il te plaît. Ah! Adèle, tu ne comprends pas avec ton affaire, là. Ah, laisse-moi ça, toi aussi. Il y a quoi? Tu gères ça comme tu as l'habitude de faire. Mais après le restaurant, hein, je rachète le téléphone à ma petite belle-sœur. Et je reviendrai par chez toi pour récupérer mon téléphone. Attends, je vais prendre mon sac. J'étais en train de sortir. Tu vas me déposer au carrefour. Non, 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 tu veux t'improviser là. Non, je t'ai dit que j'avais un rencard important. Je peux pas t'attendre toi aussi. Oh. Prends toi haut. Cadeau, hein? Merci. Merci, oh, papa. Bonne journée. Oui, oh. Oh, quand tu n'as pas à l'école, hein? Je ne me sens pas bien, maman. Qu'est-ce que tu as? Je me sens malade. Malade, tu as quoi? Je sens les maux dans ma tête. Ah, mais tu as pris quoi depuis le matin? Rien, moi je sors des coups. Oh, voisin! Ouais, voisin! Quoi? Voisin! Ça va, voisin? Ça va, voisin. Tiens sûr que ça va. Ça va. Sûr que ça va. Voisin.
Voisin, hier soir quand je suis rentré là, j'entendais comme tu criais. J'ai dit voisin à quoi? Je suis venu, j'ai cogné. Quand madame est sortie, elle t'a bien amené infirmière. J'ai dit comment? Elle fait santé ou quoi? Oh, elle fait santé. Assieds-toi d'abord. Voisin, tu blagues ou quoi? Elle ne fait pas santé. Assieds-toi d'abord. Non, voisin. Parce que hier quand je rentrais là en soirée, je suis passé là, j'entendais tu criais. Bon, je voulais d'abord passer. J'ai dit, quelqu'un peut mourir comme ça. J'ai dit non, je vais d'abord voir voisin. J'ai cogné. C'est là où madame est sortie, elle t'a bien tout en infirmière. J'ai dit attends. Donc, voisin, sa femme fait santé, il ne dit pas aux gens, tu sais comment? Oh, voisin, laisse, ma femme, là, tu vois, on te dit qu'aujourd'hui, tu as la vie en infirmière. Demain, c'est garagiste. Après demain, c'est pilote des chasses des avions. Oh, yo. L'autre jour, tu vois, elle est comme les gens qui pilotent les bateaux, il faut l'embarrer pour gentil. Ma femme, là, trop de déguisements. Voisin. Voisin, les femmes que tu vois là, mais prends-tu mal à la maison? Elles ont deux visages, je te dis, voisin. Non, dehors, elle a un visage, à l'intérieur de la maison, un autre visage. Oh, yo, yo. Moi, si je reviens comme ça chez le doyen, chez Yaya, il y a un boulot à faire. Mais seulement, voisin, là, il faut qu'on trouve des gens, il faut des filles et des hommes. Hein? Parce que c'est un boulot très fort. Oh, d'accord. Bon, regarde, voisin, ce qu'on va faire, hein, c'est que tu pars d'abord. Hein? Mm-hmm. Je finis d'abord de régler le problème avec la. Ah, ok, d'accord. Donc, je te fais signe tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, voisin. Hein, voisin? Donc, j'attends ton signal. Il n'y a pas de souci, voisin. Tu fais signe tout à l'heure. Ok, voisin. 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 Oui. Enfin, comme tu m'as déjà dit, si j'entends seulement des cris encore, je vais seulement porter mon casque. Oui. Mets le casque. Ok, d'accord. Voisin. Voisin. Oh, Agnambia, moi, là, une heure, Bédio, Namia. Hé, toi, brebis égaré. Allez, viens que je te montre au trois chemins. Qui? Moi, brebis égaré. Je suis chez moi? Je suis égaré comment? Tu es chez toi, mais tu n'es pas normal. Allez, il faut que je te fasse des délivrances, viens. Non, chérie, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. S'il me plaît, quoi? Je suis fatigué. Pas aujourd'hui, quoi? Je suis fatigué. Le Seigneur est là, allons, on va prier. Chérie, s'il te plaît, pas. Prier sans cesse, allie le Seigneur, allons. S'il te lève-toi, chérie. Pas aujourd'hui. Ah non, c'est pour ton salut là, hein? Je suis fatiguée. Écoute, tu commences à m'énerver, hein? Chérie, s'il te plaît. Tu commences à m'énerver, oh. S'il te plaît. Arrête ça. Non. Allons là-bas. Ah. Le gros démon là qui doit rentrer. Je veux rentrer à travers la prière. Dibou, Dibou, tu aimes ça? Je suis fatiguée. Tu aimes ça? Tu te reposes si jamais. Repose pas. Alors, ma chérie, comment trouves-tu ton nouveau téléphone? Super. Je le kiffe grave. En plus, c'est la dernière génération. Elle a si longtemps, mémère. Je te le dis toujours. Avoir une mémère, c'est un mal nécessaire. Au fait, chérie, j'ai une préoccupation depuis un moment. Je t'écoute. Dis-moi, pourquoi de temps en temps, tu ne prendrais pas ton fils pour qu'il vienne passer une journée, voire même encore un week-end avec nous? À vrai dire, je préfère qu'il reste là-bas. Tu sais que c'est son mari qui en est le père déclaré. Et en plus, il a les moyens de s'en occuper. Et puis, sans te mentir, je n'ai pas confiance en cette femme. Comment ça? Tu sais ce qu'on dit. Qui a trahi, trahira encore. Lorsqu'une femme est infidèle, elle est infidèle avec tous les hommes. Aujourd'hui, elle trompe son mari avec moi. C'est sûr qu'elle me trompe également avec quelqu'un d'autre. Je préfère que ça reste comme ça, que cet enfant reste là. Et... Je n'ai pas arrêté de t'appeler depuis que je t'ai déposé tout à l'heure. Ah oui? Désolé, j'ai pas fait attention. J'ai pas vu le téléphone sonner.
Comment tu n'as pas vu les appels alors que le téléphone est juste à côté de toi? Bon, je suis revenue te remettre ces accessoires que tu as oubliés dans la voiture. Tu sais bien que je ne peux pas les amener à la maison. Sinon, bonjour, les problèmes avec mon époux. Hein? Docteur! C'est qui? Entrez. Ah, bonsoir madame. Bonsoir mon fils. Le patron m'a envoyé vous remettre une enveloppe, c'est pour l'enfant qui est malade là. Ah. Oh, il y a 100 000 dedans. Ah, ok. Merci, oh. C'est gentil. Je dis merci à patron, oh. Mais pas de problème, maman. Ah, ok. Bon, vous passez bonne soirée, maman. Toi aussi, oh. Doucement là-bas, les voitures en route. Ok, maman. Demain bien. Oui, oh. Okay. Merci. Mmh. Toi aussi, mignon. Depuis qu'on compte, tu peux pas répondre. Il a fait que ça de la chambre. J'ai froid. Qu'est-ce que tu dis? J'ai froid. Ah, il faut boire le médicament. Tu as le focoro là. Hein? Tu prends toi. Tu as le verre, tu as l'eau, tu bois. Tu as compris? Oui, ne bois pas tous les 50. Tu prends toi. Tu prends avec l'eau. Oh? Oui. Mignonne, faut boire, oh? Bois, oh mignonne. Oui. Mange, rentre, bois. Ça. Tous les jours, je répète à ce Koulibaly qu'il faut arroser ces ananas là. Et voilà, c'est en train de sécher. Oui, monsieur Omanda. Oui. Allô? Bonjour monsieur, c'est le commissariat. Oui. Oui, je suis le voisin de monsieur Rekula. Venez vite, il est en train de violer une fille là. Si vous ne venez pas, il va la tuer. Venez vite monsieur, s'il vous plaît. C'est juste derrière le stade là. Oui, monsieur Rekula, le directeur de la société Gaboma BTP. Oui, je le vois depuis là où je suis là. Venez immédiatement, ne mettez pas de temps. Oui, mais monsieur Omanda, je vous ai bien dit de rassembler tous les 7 dossiers avec vous. Comme ça, dès que j'arrive, on travaille là-dessus. Oui, je suis encore à la maison. Dans quelques minutes, je vais partir de la maison pour le bureau. Tiens, prophète, n'oubliez pas de dire à madame Anguille de ma tante, elle aussi. Et qu'elle apporte aussi le parapluie que j'ai. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous bougez, on vous tue. Qu'est-ce que vous voulez? Femme ça! Déshabille-toi! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, si c'est l'argent... Enlève-toi! On s'en fout de ton argent! Tu es malade! Vous voulez quoi? Ça! Enlève-toi! Enlève-toi! Pardon, mes frères, pardon! Enlève-toi! Vite! La chemise! Qu'est-ce que vous avez dans le coffre de ma chambre? Allez, allonge-toi. J'ai beaucoup d'argent dans le ventre. Ferme-le. Yeah!
Pauline m'a dit là, mon Dieu, mignonne, ton bébé. Tu vas te rappeler tante Sonia. Mignonne. Il y a Pauline. Non, Philippe. Il y a Pauline. Il y a Pauline. Aïe, mignonne. Mignonne. Tu as appelé Jean-Philippe. Je vais l'appeler pourquoi? Tu ne dis pas que l'enfant est mort. Je vais l'appeler pourquoi, même toi-même. Ça fait 3 jours, Mignonne est malade à la maison. Elle n'a pas de problème. Elle prend ses médicaments. Elle se réveille sans problème. Mais dès qu'il envoie son chauffeur la nuit, il me déposait l'argent. L'argent empoisonné avec la magie, l'argent des sectes, où il a cimenté son nouveau poste là, où il doit vivre avec sa femme et tisse à l'aise. Comme je suis commerçante, vous me négligez. Voilà que l'argent est arrivé dans cette maison, voilà Mignonne qui meurt dans la nuit. Et tu as que manger la paix, je vais l'appeler pour faire quoi? Et pourquoi toi tu es comme ça là? Et Pauline, pourquoi toi tu es toujours comme ça? Comment tu peux être méchante? Comment tu peux ne pas connaître ton petit frère à ce point? Tu vois que Jean-Philippe est capable de faire ça? C'est aujourd'hui que Jean-Philippe a pensé maintenant à tuer Mignonne. Mignonne dont il paye les cours depuis qu'elle est petite. Dans la majorité, des gens pensent même que Mignonne là c'est sa fille. Comment tu peux dire ça? C'est parce qu'il avait un plan derrière la tête. C'était déjà prévu. Mignonne passe le bac cette année, je fais comment? Quel plan? Quel plan? Tu m'as dit que l'enfant a la fièvre depuis 3 jours. Tu es venu à mon bureau là-bas, je t'ai donné 25 000. Je t'ai dit que la fièvre c'est pas une maladie. Amène l'enfant à l'hôpital. Va faire les examens à l'enfant qu'on sache de quoi l'enfant souffre. Quand j'appelle l'enfant le soir pour savoir si elle a pris son traitement, l'enfant me dit que tu ne lui donnes que le faux. Que le faux, qu'on le soit quelle maladie. C'est aujourd'hui que tu dis alors que c'est Jean-Philippe qui l'a tué, alors que toi-même tu t'occupais même pas de l'enfant. Comment tu peux parler comme ça? Comme tu défends Jean-Philippe, pas non, pas tu non, es parti d'ici, dit tu pas non, pars d'ici. Là. Dit pas non, il faut partir d'ici. Comme tu défends Jean-Philippe, tu pars d'ici. Mignonne. Lève-toi, tu pars d'ici. Lève-toi, pars. Prends tes affaires, tu pars. Je ne veux pas parler avec toi. Il faut partir. Tu es méchante. Oui, il faut partir. Parle. Il y a quoi, allô? Ne réponds même pas, il faut partir. Quoi c'est? Comme tu défends ton frère, il faut partir. Quel commissariat? Ça c'est quoi? Quel viol? Mon Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parle, ne reviens plus ici. Ne reviens plus. Tu n'as pas besoin de toi ni de ton frère. Ne venez plus. Toi là, on va partir tout de suite là. Il y a mon époux qui a été arrêté aujourd'hui, il passe sa nuit au commissariat. Donc je profite de cette occasion pour passer la nuit avec toi. Donc là, je suis passée juste à la maison me changer et là, je te rejoins tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Madame, voici le cadavre de mon enfant, que ton mari et toi vous avez tué. Elle est là, donc terminez ce que vous avez commencé à faire. Et comme accompagnement, voilà la banane. Mangez, coupe de sorcier que vous êtes. Comme c'est toi la cuisinière, c'est toi qui prépare. Il reste le cul magique. Bon appétit. Mangez, mangez. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, comment va? Je vais bien et toi? Ça va, très bien. Et les nouvelles? Je suis là, toujours fidèle à mon poste. Et là, moi je t'attends toujours pour ton bilan de santé, comme prévu. Ah, allez, ça, on fera ça après. Tu sais, la République, c'est déjà bien. Toi, tu t'occupes de tes malades, tes patients. Moi, je m'occupe des bandits qui traînent dans la ville là-bas.
Bon, bref, revenons à mon dossier. Quelles sont les avancées par rapport au résultat? Parce que je dois différer le petit caillement que j'ai peigné là. Je ne pense pas que tu puisses le différer. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau du sperme prélevé sur la victime et celui de ton suspect. Quel est le problème? Voilà. Donc, le sperme de ton suspect est différent de celui prélevé sur la victime. Mais comment ça? Et pourtant, je l'ai trouvé en flagrant délit de viol. Tu es sûr que tes résultats sont exacts? À 100% sûr. Déjà, moi-même, je pensais que c'était une erreur de mes laboratoires. Donc, je suis allée les voir. Ils ont refait les analyses. Et à deux reprises, ce sont les mêmes résultats. Ton suspect a un sperme inactif, contrairement au sperme prélevé sur la victime. Donc, ton suspect, sauf une stérilité primaire, il ne peut avoir d'enfant. Contrairement au sperme prélevé sur la victime, qui est un sperme actif, il peut avoir des enfants. Donc là, il s'agit de deux personnes différentes. Quoi? Et maintenant, le sperme qu'on a trouvé sur la victime, à qui appartient-il? Ah ben moi je sais pas, c'est toi le policier, moi j'ai fait mon travail de médecin légiste. Donc tu peux peut-être aller voir la fille, elle a certainement des choses à te dire. Chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as dormi comme ça? Oh. Comment, chérie? Regarde, j'ai 15 appels en absence. Oh. Mais qui essaie de te joindre? Mais c'est ma petite belle-sœur et l'enquêteur. Oh, ça? Mais dis-moi, ils ont vraiment insisté, hein? Mais oui, quand tu vois qu'on sait qu'il y a un problème, tu sais que mon mari a été arrêté. Hier. Et pourquoi on n'a pas entendu le téléphone sonner? Mais c'est normal. Hier en venant, je l'ai mis sous silencieux pour qu'on ne nous dérange pas. Écoute, ne t'inquiète pas. Essaye juste de rappeler pour savoir ce qu'il voulait. Non, chérie, je ne peux pas rappeler. Quand tu vois comme ça, c'est que tu sais que mon mari a été arrêté. Hein? Et quand tu vois comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut absolument que je rentre. Je suis quand même une femme mariée. J'ai déjà passé toute la nuit avec toi. Hein, s'il te plaît. Il reste encore quelques minutes seulement. Non, mon cœur, je t'ai déjà tout donné la nuit. Je t'ai tout donné cette nuit. Je prends rapidement ma douche et après, je te fais un bisou. Ok. Bon chéri, j'ai constaté que tu n'as plus rien à manger au congélateur, donc là je te laisse 300 000 francs. Hein, tu pourras faire les courses pour la maison. Bonjour, oh ma belle sœur. Allez, dis-moi, comment tu vas? Ah, ça ne va pas, hein? Chérie, le problème de ton mari là. Souris un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis déjà là. Mais où étais-tu, toi? Ah, j'étais à l'église. J'ai dû demander une veille de prière. Je ne connais pas avec tous les problèmes que tu as. Là, on t'accuse par-ci, par-là. Il fallait bien que je trouve une solution. Je suis quand même ton épouse. Et je reviens de là-bas. J'ai passé toute la nuit là-bas. La preuve, je te trouve là. C'est que Dieu a exaucé ma prière. Oh, toi aussi. Hein, chérie? Tu n'as pas de raison d'être triste. Je suis là. Tu sais que je me bats pour ton bien-être. Hein, mon amour? Mais c'est quoi ce parfum qui sent sur toi, là? Quel parfum encore? Mais je t'ai dit que j'étais à l'église, non? Tu sais qu'à l'église, on se touche, non? Pendant qu'on loue le Seigneur, là. C'est pour ça que peut-être tu sens une odeur inhabituelle sur moi? Fatih! Fatih! Madame! Fatih, tu vas dresser la table, hein? Parce que je vais manger avec ma belle-sœur et mon époux. Ok. Sonia, je pense qu'il faut que je m'éclipse de l'embarnée pendant un bon coup de temps. T'éclipser? Oui. Comment ça? Non, mais petite soeur, tu ne vois pas ce qui se passe là.
D'abord, il a fait du tract sur internet. Il a fait du viol. Et en plus, c'est dans ma propre concession qu'il planifie là, derrière. On vient me chercher comme un délinquant, comme un moins que rien. Ça veut dire que je ne suis pas en sécurité. Qu'il me filait depuis. Il m'observait. Je ne suis plus en sécurité ici. Même vous, ma famille, ma femme, mes enfants, même toi, Sonia, tu n'es pas en sécurité. Certes, Yaya, mais où comptes-tu aller? Très franchement, ma petite soeur, je ne sais pas. Ok. Mais avant, en ce qui concerne tes enfants, j'ai quelque chose de très important à te dire. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Yaya. C'est elle la concernée par rapport à la peine. Très bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'espère que vous connaissez le motif qui vous amène ici. Non, quoi? Votre mari ne vous a rien dit? Non. Eh bien, madame, votre époux était là avant-hier pour porter plainte contre vous. Et le motif, c'est tout simplement que vous l'agressez sexuellement, plus précisément, vous le violez nuit et jour, il ne respire pas. Oh, moi? Oui. Oui. Si petite que je suis, si innocente que je suis. Mesdames, nous avons eu le temps d'écouter votre mari. Maintenant, on vous écoute. Il m'a épousée, j'étais encore enfant. Une petite belle fille. Il m'a imposé un rythme, je ne sais pas si c'était pour me flatter. Maintenant que je répète les mêmes choses, il se plaint de quoi? C'est lui qui m'a habitué comme ça. Il vient se plaindre de Dieu pour quoi? S'il y a quelqu'un qui devait se plaindre, c'est qui entre nous? C'est moi qui devais me plaindre. Pour non-respect du rythme imposé. Maintenant, comment je peux le violer? Comment je peux le violer? Et vous le recevez ici au lieu de le chasser? Ne pleurez pas. Calmez-vous. Monsieur, finalement, quand j'écoute votre épouse, vous n'êtes pas du tout sérieux. Ben oui. Vous avez commencé à l'habituer à un rythme sexuel. Pourquoi vous arrêtez en chemin? Assumez. Assumez, monsieur. Regardez une jeune fille lycéenne comme ça. Oh, au lieu de l'éduquer, non, monsieur. Madame, s'il vous plaît, elle n'est pas lycéenne. Comment ça? Ça, c'est encore un autre de ses déguisements. Comment c'est quoi? Madame, c'est une dangereuse, la femme. C'est une dangereuse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité à Lambaréné avec ce rebondissement dans l'affaire Jean-Philippe Ricoula, accusé de viol et détenu depuis quelques jours pour des raisons d'enquête. Jean-Philippe Ricoula, qui venait d'être par ailleurs promu directeur général de la société Gaboma BTP, a été innocenté après les analyses du médecin légiste. Il garde son poste de directeur général de la société Gaboma BTP. Regarde bien. Ça, c'est le travail de Terex. Ce gros plein de sous qui n'a rien dans la tête. Tu te souviens quand tu étais en déplacement? Je t'avais appelé. J'ai fait venir Terex à mon bureau. Je lui ai remis 5 millions. Je dis bien 5 millions de francs CFA. Tu as remis 5 millions à Terex. Comme tu entends là. Pas plus tard que hier, on me téléphone pour me dire que M. Ricoula a été innocenté, libéré, blanchi. Tu comprends mon attitude aujourd'hui et mon inquiétude si les enquêteurs montaient effectivement la filière jusqu'à Terex. Forcément, ils reviennent vers moi et je suis en plein dedans. Je suis quand même doyen. Tu sais, doyen, c'est bien fait ce qui t'arrive là. Parce que c'est de ta faute. Même si j'étais en déplacement, comment peux-tu confier une telle affaire à Terex? Ça urgeait. Attends, même si ça urgeait, il a l'habitude de faire ce genre de boulot pour toi. C'est tout ce que j'avais sur la main. Toi étant parti, c'est tout ce que j'avais. Il faut me comprendre. De toutes les façons, ce qui est fait est fait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais tout problème a une solution.
Quelle solution tu vas trouver là? Quelle solution? Le problème est là devant nous. Tu sais, il y a un adage qui dit pour atteindre un homme, il faut passer par sa femme. Qu'est-ce que les gens diront? De forcément, je suis complice dans cette affaire. Tu n'as pas confiance en moi. J'ai confiance. Alors, laisse-moi gérer ça. Si toi, tu ne peux pas le faire, moi, je peux le faire. Tout l'embariné sait que cette femme aime l'argent. Elle aime tout ce qu'il prie. Ce sera facile de la corrompre. Comme ça, tu me remets un peu de sous. Je deviens copine avec elle et je vous mets en relation. Ok, j'ai compris. J'ai très bien compris. Tabla. Là, je sens que tu es vraiment là. Mon compagnon d'affaires. Demain matin, quand j'ouvre mon bureau, avant que je ne prenne place, tu dois te calmer. C'est pas très tôt ça? Non, il faut bien. Faut bien. Je t'ai dit que j'aime traiter d'affaires avec toi. Et comment? Doyen, mon ami. C'est ça. Assez parlé politique là. Et tu veux parler de quoi? Les deux petites que je t'avais placées avant de partir là. Ah oui. Ah, j'ai tout compris. Venons, Seigneur, te magnifier, magnifier ta sainteté. Sois la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes. L'amour éternel qui a ramené les enfants perdus à leur père en rendant réel le miracle de la réconciliation. Madame, qui a mangé ma nourriture? Je demande qui a mangé ma nourriture. La mangeuse. C'est moi que tu reprends à manger. Oui. C'est moi que tu reprends à manger. Au secours. Voleuse, prends ma nourriture. Voleuse la nourriture. Voleuse. Je n'ai même pas honte. Mais une femme qui vole la nourriture. Voleuse. Non, ma personne. Laisse-moi. Je vais m'occuper. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Aïe, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Papa, t'es belle. Tu... Tu n'as pas pris ma nourriture. Je ne sais pas. La chose est venue à déposer ici, elle me fatigue. Elle ne sait rien faire. Rien. C'est moi qui fais tout. Tout ce qu'elle sait faire, se faire belle. Manger la nourriture volée. Faire ses ongles en longueur de journée. Pendant ce temps, moi, je suis la ménagère. J'ai préparé. Elle allait voler la nourriture. Je suis là pour nourrir ma rivale, ma belle-sœur. Depuis quand ça? Alors, elle va rendre ma nourriture. Elle va me vomir ma nourriture. On va aller parler de ça à la maison. Elle va d'abord vomir. Attends, on va aller parler de ça à la maison. Vomis ma nourriture. J'ai compris. Vomis. Vomis-moi ma nourriture. Quoi? Sonia, c'est vrai ce que tu me dis là? Tiens, Jean-Paul, qu'est-ce que je gagne à te mentir? Qu'est-ce que je gagne à te mentir, dis-moi? Tu sais combien de fois moi-même j'aimais Adèle? Et je peux dire que cette histoire de viol là était une grâce? Sinon, sans les enquêtes approfondies de la police, on n'aurait jamais su que Jean-Philippe avait une femme infidèle. On n'aurait jamais su que Jean-Philippe avait une femme qui lui faisait des enfants dans le dos. Et moi, je n'arrive plus à supporter ça. C'est pour ça que je suis venue te voir. Qu'avec ta sagesse et la gestion de la famille qu'on t'a laissée, que tu viennes avec les mots qu'il faut, avec ta façon de faire, que tu viennes faire sortir Adèle de la maison. Et il faut voir la maman et le problème qui arrivait sur Jean-Philippe en même temps. C'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter encore plus. Si tu lisais le tract qu'on a écrit sur Jean-Philippe. Oh, il a tué un enfant sur la route de je ne sais où. Oh, on doit le bannir de l'embaréné, on doit le tuer. On doit faire ceci. Je te jure que si tu lisais ça. Sonia, je t'ai écouté. Mais tu sais, tant qu'on n'a pas de preuves sur Adèle, on ne peut rien faire. On a la preuve? Le rapport de la police, j'ai la photocopie ici avec moi, j'ai la photocopie. Tu as le rapport de la police qui innocente Jean-Philippe. Et là, je te demande de remonter sur l'embariné. De suivre Adèle, nuit et jour. Elle va t'amener chez son copain. Ah, pardon. Mais l'histoire de Jean-Philippe, Sonia, ça me perturbe la tête. Mes deux enfants là,
J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas de moi. Arrête ça. Yaya, pardon. Toi aussi. On ne sait jamais. Laisse-moi ça. Laisse ça. Attends, ils sont même où ces enfants-là? Tata! Laisse les enfants, papa. Yaya, arrête ça, s'il te plaît. Pichou! Venez ici! Oh. Tata! Pichou, ouais. T'as grandi. Regarde. Approche! Tu vois? Lui là, mon pied. Va là-bas. Toi, viens ici. Non, pourquoi? On ne sait jamais. Tu as vu? Les pieds là, ils ne sont pas de moi. Regarde, je n'ai pas envie de rire. Bon. Lui là, il est douteux. Déshabille-toi et tu te mets à genoux. Je te demande de te déshabiller, n'est-ce pas? Toi là, c'est pas toi que je demande de te déshabiller. Ou c'est au mur qui est derrière toi là que je suis en train de parler. Tu as perdu des fils. Tu as des fils qui ont sauté, il faut que je les remette en place. Tu ne vas pas bien toi. Allez, déshabille-toi. Chérie, quand tu me regardes, je ressemble à un appareil qui est en panne. Tu es en panne? Tu penses que tu es normal? Qui t'a menti? Tu es très en panne. Tu as perdu la tête, me porter plainte, m'emmener au commissariat. Tu n'as pas vu au jeu que j'ai joué là-bas? J'ai fait semblant de pleurer, j'ai joué à la gamine, à la timide, tout ça là. Mais tu ne sais pas ce que j'ai réfléchi pour toi. Hein. Je vais te récupérer, oh, te dépanner, te traumatiser. Déshabille-toi. Tu te mets à genoux. Tu me connais de toute façon. Chérie. Discuter sur quoi que ce soit. Attends, le soir, il y a le soleil. Il y a le soleil, hein. Tu as attendu le soir pour m'emmener chez les policiers. Tu as attendu le soir. Comme tu m'as épousé, c'était pour venir dormir dans ta maison. Oh, c'est ce qu'on va voir. Il y a quelqu'un qui colle. Il n'y a rien, je n'entends rien. Chérie, écoute d'abord, il y a quelqu'un qui a fait le cogner. Je n'entends rien. Écoute. Oh, voisin. Ouais, voisin. Ouais, rentre, voisin, rentre. C'est comment? C'est comme tu vois là. Quoi? Tu n'as pas les ventilateurs? Ouais. Sans tous les vis. Non, c'est dans le sac. Sans poste à souder rien. C'est dans le sac. Là, j'inspecte d'abord. Oh. Attends, voisin. Ça, c'est quoi? Mais c'est l'argent. 500 000. Attends, voisin, pour tout le boulot qu'on a eu à faire là, c'est 500 000 que tu trouves à me donner. Quoi? C'est beaucoup. Attends, le grand t'a donné 6 millions et c'est 500 000 que tu me donnes. Regardez-moi les choses. Qui t'a dit m'avait 6 millions? La petite voisine du quartier que tu dragues là, elle a dit ça à une petite go qui a dit ça à ma femme, et ma femme l'a dit. Le grand t'a remis 6 millions. Oh, laisse tout ça, c'était plein mon buzz. Il fallait quand même que je pousse mes cartes. Il fallait montrer à la petite que je suis 6 fois millionnaire aussi. Bon, logiquement, il m'a donné 5 millions. Mais tu sais que je suis en train de faire des travaux après chez les soeurs là-bas. J'ai ouvert un lavage, une cafétéria. Donc, en tout cas, c'est tout ce qui me reste. Prends ça. Ça non, voisin. Ajoute même 1 million pour faire 1 million 5. Non, j'ai plus d'argent. Prends ça, man. Non, donne au moins 1 million encore. Au moins, moi, je prends 1 million. Ceux qui ont travaillé avec moi, je leur donne 500 000. Mais le problème, c'est que je trouve ça encore. C'est tout ce qui me reste. La petite qui a fait le coup avec nous, c'est moi qui l'ai trouvé. Et là, elle m'attend pour son argent. Les risques qu'on a pris sur la pirogue, les risques que moi-même j'ai pris pour aller inspecter le monsieur, à quel moment il sort, venir vérifier son jardin. Voisin, le truc que tu as vu, on a frotté à la petite là, pour que quand les policiers arrivent, ça fasse vrai. Tu sais comment j'ai combattu pour avoir ça la nuit. Et c'est 500 000 que tu me donnes. Voisin, ajoute 1 million. Je ne peux pas prendre 500 000. Attends, voisin, avec les temps qui courent là, les temps qui sont difficiles là, tu as fait 500 000. Je ne peux pas. Prends ton argent. Je ne peux pas prendre 500 000. Voisin, prends. 500 000, c'est beaucoup d'argent. Ça va te servir. Ajoute 1 million. Prends 500 000. C'est bon, prends ton argent. 500 000, tu ne veux pas. Prends ton argent, c'est bon. C'est bon. Ok. Moi, je pensais que j'étais vraiment généreux de te donner 500 000. Je vois comment tu, là, tu souffres avec ta femme. Quelqu'un que sa femme brime comme ça et tout. Ah, ma femme me brime. Oh, ok. Ta femme te brime. Ok, c'est pas grave. Tiens, en tout cas. C'est ce qu'on va voir. D'abord, je te donne rendez-vous avec ton grand frère demain au commissariat. Quoi? Je te donne rendez-vous avec ton grand frère demain au commissariat.
Je crois que là, nous tous, on va perdre. On va perdre dans cette histoire, nous tous. Voisin, je pensais que tu étais intelligent. Non, je devant Dieu, je me disais que tu étais un peu intelligent. Mais tu es bête. Tu es toujours bête. Dis-moi, mon grand frère, le puissant doyen de la marinée, quel est le petit policier qui va l'arrêter? Dis-moi un peu, quel est le petit policier qui va oser se présenter devant mon grand frère? Et je voulais aussi te dire quelque chose. À partir de maintenant, ne me tutoie plus. Tu dois me vouvoyer. Moi, c'est Monsieur Terex. Parce que toi et moi, on est plus au même niveau. Et rends-toi compte que si mon grand frère, c'est le doyen de la marinée, moi qui suis son petit frère, c'est que je suis le petit doyen. Donc, maximum de respect. Voilà. Bon, petit, comme je sais que toi, ta vie, c'est la bière, tu vas quand même prendre une bière avec non, ça. Non, c'est bon, merci. Ok, d'accord. Bon, moi, je suis en train d'aller comme ça au CEDOC, je suis en retard, je dois prendre mon passeport parce que je dois aller en Turquie. Je dois prendre le matériel pour mon lavage. Là. Ok, je vais c'est pas grave. Laisser... Moi aussi, je vais te prendre un passeport demain au commissariat pour que tu ailles en prison. Oh, petit, laisse. Donc, on se voit certainement à mon retour. Hein? Demain au commissariat. Bonne continuité dans la galère. Ouais, bon, merci. Voisin, en tout cas, on se voit. Oui, au commissariat. Nous tous, on va perdre dans cette histoire. C'est mieux. Maison. Je suis là. Rebonjour mon petit cœur. Ça va? Ça va. Mmh. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mon époux. Mmh. Et on va quelque part, alors je suis passée te déposer le petit déjeuner. Ben, merci. Hein. Voilà. Bon, je t'apporte un peu de sous. Tu as 50 000 balles là. Tu vas t'acheter du crédit. Et si possible, te faire plaisir. Alors là, je suis vraiment gâtée. Hein. Bon, je suis pressée. Je m'en vais. On se voit tout à l'heure, on s'appelle. Oui, allô? Oui, c'est bon, elle est partie, hein, tu peux venir. Regarde, elle m'a laissé 50 000 francs. Tiens, je te les donne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est ça? Qu'est-ce que je viens de constater là? Mais dis-moi ce que je viens de constater! En fait, mon intuition ne m'a jamais trompé alors! La première fois, tu m'as berné, mais cette fois-ci, tu n'as rien à me dire, n'est-ce pas? Attends, mais regarde-moi celui-là. Je prends l'argent que mon époux me donne pour t'entretenir et toi, tu entretiens cette pétasse? Madame, je ne te permets pas, ok? S'il te plaît. Si tu me berné, toi, c'est toi. Calme-toi. Calme-toi. Oh, calme-toi. Toi-même. Fais chier. Je vais tout expliquer. Non, mais c'est qui ce fait méchant? Elle me garde, elle me fait sa bonne. C'est la langue. Tu ne peux pas pour qui, toi? Non, je suis la langue. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Je vais t'expliquer. C'est quoi? C'est pour ça que tu me munis là! C'est ça que tu me réserves moi? Mais est-ce que tu réalises les sentiments véritables que j'ai pour toi? Hein? Je ne sais même pas pour mon époux qui m'a honoré! Mais qu'est-ce que tu m'offres là? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens de m'offrir là? C'est ça la récompense de tout ce que j'ai déjà investi sur toi? Mais vas-y, réponds-moi! C'est bon, est-ce que tu peux te calmer un instant? Je vais t'expliquer. Écoute chérie, je te demande pardon pour la scène que tu viens de vivre. Mais tu me connais chérie, cette fille n'est pas faite pour moi. Je ne traite pas avec ce genre de fille. C'est une pauvre fille de rien du tout qui veut juste profiter de la situation que tu me procures. Je suis bien conscient des investissements que tu fais pour moi. Et je te rassure. Et tu sais que je t'aime bébé. Avec ce que je viens de voir là, je doute fort de tes sentiments maintenant. Oh, écoute chérie, je me suis égarée un tout petit peu. Je te demande pardon et je te rassure
que ce genre de situation ne va plus jamais se reproduire. J'espère. Je l'espère. Tu sais que c'est toi que j'aime, chérie. Depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que mon regard s'est posé sur toi, je me suis fait piéger par ta beauté. Et j'aimerais passer le restant de ma vie dans les barreaux de ton cœur, chérie. Allez, viens. C'est la sonnerie de mon époux. Oui, allô chérie. Oui, je me suis juste déplacée un petit instant là, juste chez Félicité. S'il te plaît. Bisous mon amour. À tout à l'heure. Une lecture? Oui, comme d'habitude. Tu sais que je dois lire la Bible tous les jours. Tu sais, je voulais discuter avec toi. Ok. Je voulais discuter avec toi concernant l'église. Ça ne va plus. Je ne me retrouve plus. D'abord avec la fille du pasteur, ça ne va pas. Elle me dérange. La femme du pasteur, qui change ses règles tous les jours, elle arrive chaque dimanche, elle a toujours quelque chose à dire, quelque chose à changer. Le pasteur, c'est pire. Parce que celui-là, sa parole ne me touche plus. Tout ce qui fait sortir de sa bouche ne me touche plus. Je ne veux même plus partir là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Je ne sais pas. Tu es pasteur comme lui. Tu peux ouvrir ta propre église ici. Tu sais très bien qu'on n'a pas assez de moyens. Quels moyens? Mais de l'argent. Il faut de l'argent pour construire une nouvelle église. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. On peut commencer ici. Ici, dans notre salon. On commence ici. Et après, on trouvera un local. Attendons un peu. Non. Non. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus aller dans cette église. Je t'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'il fait est faux. Tout ce qu'il fait n'a plus rien à voir avec Dieu. Mais tu sais, après on dira que tu es son complice, hein? Et on te pointera du doigt n'importe où. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, les choses comme ça, j'ai honte. Donc là, je ne veux plus. Je ne veux plus retourner dans cette église. On ouvre pour nous ici. Et tu verras, ça va marcher. Divine amour, je trouve en toi la joie. Mon âme qui s'ouvre à toi, que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Moussa, toi tu es mon marabout depuis des années. Tu es mon confident. Et je ne t'ai jamais rien caché. Tu connais l'histoire de mon petit copain, non? Oui. Ah, Moussa. Demande-moi ce que j'ai depuis. Ma petite belle-sœur-là, on dirait qu'elle me filait depuis. Elle m'a attrapé là-bas. Elle m'a même fait les photos. Moussa, une affaire comme ça, là. Si ça arrive chez mon mari, qu'il voit ces photos-là et qu'il lui parle. Mais ça, c'est le divorce direct. Tu crois que je vais encore gagner quoi, là? Je veux sortir de là à tête basse, sans rien. Voilà pourquoi moi je suis venue te voir, pour que tu me fasses quelque chose, pour anticiper tout ça. Pour que quand ça se va aller lui parler, tout ce qu'elle va lui dire,
Il ne va même pas écouter ça. C'est ce qui va sortir de ma bouche là qui va écouter. Donc vraiment, fais-moi quelque chose, mon sang. Je vois. Je vois ce que tu veux. Mais si j'ai fait ça, ça va jouer sur le mental de ton mari et sur son esprit. Il va avoir des répercussions au niveau de son travail, même au sein de ton foyer. Et j'ai peur pour toi. Moussa, ça c'est pas mon problème. Tu sais bien que c'est mon petit copain là que j'aime. Je suis là parce qu'il s'occupe de moi et de ma famille. Même s'il devient fou, où mon problème? Même s'il devient une escargot, un cancre là, une chaussette, une serpillère, ou qu'il meure, où mon problème là-dedans? Je ne serai pas la première à être une veuve heureuse. Maintenant tout ça, qu'est-ce que je gagne? J'ai même oublié tellement j'ai trop de choses dans la tête. Je t'ai apporté ton argent. Là, tu as 1 million de francs. Prochainement, je vais t'ajouter quelque chose. L'argent, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Pour ça, tu veux quoi? Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si tu as quelque chose dans ton cœur, exprime-toi. Parle. Adèle, tu es une belle femme. Tu es très jolie. Aucune personne ne peut supporter ça. Même si tu es mariée, moi, je veux aussi ma part. Je suis intéressée par toi. Moi, je vais sortir avec toi. Tu me plais beaucoup. Regarde, je vis seul ici. Je veux... Bon, ça ne parle pas beaucoup. Et mon mari qui est là, je fais quoi de lui? Tu dis bien que tu veux sortir avec moi. Mais tant qu'il est là, tu crois que tu pourras le faire? Donc débarrasse-toi de lui. Comme ça, moi, on pourra sortir ensemble. Profiter de cette richesse-là. Hein? Pourquoi pas vivre ensemble après? Mais à une condition, hein? Ne touche jamais mon petit ami. Parce que même si tu viens vivre avec moi, là, Moussa, lui sera toujours là. D'accord. Je vais te faire un travail. Un très grand travail même. Mais il faut respecter ta part du pacte. Parce que tu viens peine de le signer. Et si tu ne respectes pas ce contrat, tant pis pour toi. De toutes les manières, c'est mon corps. Je fais de ça ce que je veux. Je le donne à qui je veux. Remplis seulement ta part de contrat et moi je vais remplir la mienne. C'est tout. Tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Mais tu n'as pas assisté au culte la dernière fois? Il y a un problème? Pasteur, ça ne va pas. Ça fait déjà 1 an et demi que je vous ai vendu mon terrain et jusqu'alors, je n'ai perçu aucun sou. Considérez ça comme un don, ma fille, à notre Seigneur Yahweh. Amen. Oh, Jésus. Un don. Vous appelez ça un don, pasteur? Sachez qu'il y a une différence entre un don et une vente. Je vous ai vendu mon terrain et non fait un don. Ma fille, avec tous les appartements que vous avez dans la ville de la Marinée, pasteur, avec tout le respect que l'on vous doit, vous ne pouvez pas parler ainsi. Je me souviens que lorsque vous avez acheté ce terrain, nous avons conclu un accord de vente et les échéanciers que vous avez signés étaient clairement bien définis. Aujourd'hui, vous parlez de don. Quand on vous regarde dans cette ville de la Marinée, on vous voit comment vous et votre femme vous circulez. On sent que votre activité prospère. On vous entend parler, mon fils. Je vois que ça, c'est un problème de jalousie. C'est vraiment la jalousie, papa. Oh, Léa. Vraiment, c'est comment? C'est comment avec mon mari, Léa? Tu as quel problème? Dis-moi un peu. Je suis en face de toi. Dis-moi, c'est comment avec mon mari? Tu as la mémoire contre toi. Un terrain marécageux où il y avait l'iguane, tous les serpents, les crocodiles. Tout passait par là, Léa, qui ne savait pas ça dans l'emballage. Oh, Léa, laisse mon mari. C'est comment? C'est ça. Intérêt que toi, tu avais abandonné, Léa. Comme vous avez vu qu'on a essayé de faire un petit joli quelque chose et qu'on prospère un peu. C'est ça. Tu t'es levé. Vous êtes levé, hein? Vous dites que vous voulez aussi votre part. Léa, je te dis, tu as menti. Tu as oublié ce que mon mari a fait pour toi, Léa. Tous les démons que tu avais. Arrête de persécuter mon mari. Arrête. De toutes les façons, mon épouse a parlé. Un point. C'est de la malhonnêteté. On s'en fout. En tout cas, allez voir qui vous voulez. Toutes les autorités de l'embarrané, ce sont mes amis. Ah bon, c'est comme ça que vous parlez. On s'en fout.
Je sais que je n'ai personne en haut, mais j'ai confiance à la justice de mon pays. Mon refuge, pour toujours, mon refuge. Tu as bien fait de ne pas boire aujourd'hui. Au moins, tu m'as défendu. Car il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. Si c'était à refaire, moi je serais toujours épaté. Bon appétit. Merci. Merci. Comment ça va? Pense à la ratatouille. Vraiment. Chou! Oui, allô? C'est quoi? Quand tu vas me déranger comme ça là? Je te jure qu'un jour je vais te baquer là-bas dans ton temple là-bas, tu verras comment je vais te ramasser. Comme un chien comme ça là. C'est comment? Mais c'est celui qui m'a grossi là, non? Un vaurin comme ça, incapable comme ça, il ne s'est jamais occupé, même pas appelé un jour pour dire que oh, l'enfant va comme un nom. Il m'appelle pour me parler de marier femme. Il pense que j'ai son temps. Comme il sait que je suis mariée, il veut me perturber. Mais s'il continue à appeler, lui porte plainte. Je lui laisse. Il va me sentir même de ses quatre. Oh, on va manger. Bébé, bénis le repas, sort. Seigneur, bénis ce repas. Bénis les mains de personnes qui ont préparé ce repas et donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Dans le nom puissant de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Mais de quel poison tu me parles? À peine on vient de l'accuser d'avoir violé une fille, la police le blanchit et toi tu me parles de poison. Mais c'est quoi? Yaya, je te dis que c'est elle qui a fait ça. Surtout qu'elle sait qu'on est au courant. Mon capitaine, ça fait un bon moment qu'on attend le pasteur Edou et il n'est toujours pas présent. Depuis 9h, il est pratiquement 13h. Il ne se présente pas. Moi je n'ai pas que ça à faire. En plus, c'est la deuxième convocation. Madame, la loi a tout prévu pour ce genre de cas. Comme il ne veut pas se présenter, nous irons le chercher. Vous connaissez chez lui? Oui, bien sûr que je connais. D'ailleurs, il a culte dans son église. Il doit être là-bas en ce moment. Oui. Bonjour, mon capitaine. Bonjour, madame. Ce sont les agents à la réception qui m'ont orienté vers vous. Et que puis-je faire pour vous? En fait, je souhaiterais porter plainte contre le pasteur Edou. Encore le pasteur Edou? Oh, bien aimé. Ok. Shalom bien-aimé, shalom ma sœur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour la même chose. Vraiment, cet homme-là, il faut vraiment qu'on l'arrête, hein? Moi, j'en ai marre. Ça fait près de 10 millions que j'ai dépensé dans son église et je n'ai toujours pas eu de mari. Ça ne peut pas s'arrêter là. Allez, c'est bon. Regardez, apportez-vous pour une interpellation, là. Ok, tout de suite. Ah, bonjour madame, excusez-moi. Je cherche une dame au nom de Suzy. Je ne sais pas si elle vit toujours ici. Il m'a même répondu là. Ça, c'est bon. Ah, Suzy. Bonjour. Bonjour Sonia. Tu ne me dis pas bonjour, ça va. Après combien de temps? Je t'ai appelé récemment là. Tu n'as pas vu mes coups de fil. Tu dis récemment? Quand ton frère m'a quitté, je t'appelais plusieurs fois.
pas décroché le téléphone. Tu m'as abandonné, Sonia. Tu m'as abandonné toute seule. Ah, Sonia, la vie là. La beauté de ses appartements, elle m'a soutenu cette femme-là. Hein? Elle m'a apporté la vie. Elle m'a amené à l'église. Sans elle, je partais au suicide. C'est comme ça que toi, la chrétienne, tu me reçois. Au pas de ta porte. Ah bon, hein? Donc, chrétienne, là, je dis ma boule, serpillère, mouton. Donc, le chrétien, là, on n'a pas de cœur, on n'a pas de sentiment. Parce qu'on est chrétien, on a cessé de manipuler, piétiner par les gens. Non, à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est ça, ce qui est à César. Donc, ce n'est pas pardon. Laisse-moi tranquille. Tout ce que tu peux me dire, je te comprends. Et je te soutiens même. Mais si je suis venue ici, c'est parce que je sais que tu es le seul soutien pour Jean-Philippe. Ah. Jean-Philippe se retrouve dans de graves problèmes aujourd'hui. Il sort même d'un coma. Parce que ton frère a des problèmes, tu viens chez moi. Quand moi je pleurais, qui était là avec moi? Comme je ne suis pas blanche, je suis noire. Il m'a laissé pour aller épouser la blanche. Faut pas parler comme ça. Ah bon? Si tu pouvais savoir là où cette histoire de soi-disant femme blanche a amené Jean-Philippe. Si tu pouvais savoir ce que cette femme blanche est en train de faire dans notre famille. C'est elle qui cherche aujourd'hui à tuer mon grand frère. Aujourd'hui, il se retrouve même deux enfants dans la maison de Jean-Philippe qui ne sont pas de lui. Elle a un petit copain qu'elle entretient. Et pourtant, c'était moi la stérile. Il m'a quittée. Donc, je suis stérile. Suzy, je te comprends en tant que femme. Tu veux dire que dans notre famille, tu n'as vécu que les mauvais moments. Le mauvais moment est arrivé hier. Vraiment, mon Dieu est vivant. Hein? Le Dieu que je prie juste. Je te soutiens. Je te soutiens entièrement quand tu le dis. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais sinon, moi, je refais ma vie. Hein? Je vis avec quelqu'un aujourd'hui, là, mais il doit arriver. Écoute, on s'appelle le soir. Excuse-moi. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Bien-aimé, plein ton Dieu. Acclame ton Dieu, bien-aimé, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, la femme que je voulais, il me l'a donné, le godet que tu voulais, il te l'a donné, l'enfant que je voulais, il me l'a donné, acclame ton Dieu. Mon père, c'est Philippe Jean-François. Ma mère, c'est Matsanga, je lui grâce. Papa Nanga, si je sais, c'est parce que j'ai besoin de lui. Je veux un blanc. Un blanc qui me construise une grande maison, qui m'achète des grosses voitures. Bah si. Je veux que ce blanc-là me fasse voyager, qui me fasse découvrir le monde entier, qui m'apporte de l'argent, de l'argent, de l'argent, ensuite l'amour. Tu as fini, tu dis Bokaye. Bokaye. Aïe. Papa Nganga, moi j'ai déjà un blanc. Je suis venu ici là, c'est pour l'attacher. Ah bon d'accord. Qu'il oublie la France. Quand il pense à la France, c'est mon visage qu'il voit. Il oublie ses parents. Je veux que ce blanc-là puisse m'épouser. Ok. Aïe. Aïe. Après ici, on vous amènera au Gwenze. Vous allez voir papa, il vous dira ce qu'il faudra faire. À propos de votre travail. C'est du Gombo Mokai. Aïe. Vous avez apporté les pagnes. Oui, on apporte. Quand vous arrivez au Gwenze, vous portez ça. Est-ce que vous allez apporter les seaux? Suivez cette piste, elle vous amènera à une rivière. Arrivez à cette rivière, vous allez lever vos bijoux, y compris les sous-vêtements. Faites le plein de vos seaux, et puis vous vous lavez. Tes problèmes là, tu évoques ça dans ton seau, tes prières, d'accord, ainsi que toi. Hein? C'est ça même. Allez-y, suivez cette piste tout, tout droit. Seulement, non? Ouais, tout droit. Je suis pas venu en tout cas. Les pêcheurs, vous prenez pourquoi on vous attend. Ok. N'allez pas mettre du temps là-bas. Oui, oh, Vengo. Maman. Tu vois comment je suis encore dans vos histoires de villageois là, d'Nganga. Va m'appeler ton père, c'est lui que je suis venu voir. La vie est papa en pleine méditation. Et quand il est en pleine méditation, il n'aime pas quand on le dérange. Quelle méditation? Toujours dans vos histoires de mensonges là. Va m'appeler ton père là-bas. Dépêche-toi. Donne-moi les chants comme ça là. Bonjour. Je dis bonjour à qui? Tu crois que je suis venu ici pour te dire bonjour? Donne-moi quelqu'un comme ça là.
Je suis venu te dire une seule chose. Monsieur Longanga, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus. Je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus ton temps. Tu veux pas que je suis une femme évoluée? Hein? Tu m'appelles pour faire quoi? Tu me veux quoi? Tu veux pas que je suis une femme mariée? Adèle, tu penses que je t'appelle pour toi? Je t'appelle pour ma fille. Et non pour toi. Tu fais tout pour me séparer de ma fille. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Pour que je ne puisse pas être en conversation avec ma fille. Parce que tu fais tout pour que je ne sois pas en contact avec mon enfant. À partir d'aujourd'hui que toi, moi, nous avons eu un enfant. Tu m'as compris. Mon enfant n'a pas besoin d'un homme comme toi. Un ganga. Un indigne comme ça. Là, qui met les peaux de panthère. Hein? Le kaolin partout. Avec les plumes de perroquet. Tu vois que ma fille a besoin d'un père comme toi. Moi là, je suis mariée à un vrai monsieur. Il a de l'argent. Tu vois pas comment je brille? Je suis chrétienne. Moi je te dis, c'est pas une seule chose. Je suis pas venue pour blaguer avec toi. Et après l'enfant là, ne pense plus que tu as eu un enfant avec moi. Hein. Tu crois que moi je devais vivre avec un homme comme toi? Donne-moi un villageois comme ça là. Grâce à la tête faux. Quoi là? Johnson, comme tu vois. Suzy, non. Mais ça, c'est impossible. Tu es enceinte, toi. Impossible pourquoi, Jean-Philippe? Tu n'as jamais été stérile, non. Hein? Tu as appelé pour ça. Tu as appelé pour quoi? Oublié. Bon, d'accord. Excuse-moi. Oui. Suzy. Suzy. Écoute, Daniel. Là, j'ai des sérieux problèmes. Le monde entier me poursuit. Je ne sais même plus où aller. Voilà pourquoi j'ai cherché à te rencontrer pour que tu me caches pendant quelques temps, Suzy. Jean-Philippe, en quoi tes problèmes me concernent? Ah. En quoi ça me concerne? En quoi te concerne? Mais oui, je veux savoir. Te concerne mes problèmes? Attends, tu me parles mal comme ça? Jean-Philippe, après tout ce que nous avons fait ensemble, tu avais fait le choix. Suzy. Tu avais pris ta blanche pour l'épouser, tu m'as laissé. Suzy. Quand le mari a des problèmes, on soutient le mari. Parfois, ta femme, tu me laisses tranquille. Tu l'as choisie parce que tu as vu que non, elle était mieux. Suzy, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, ne reviens pas là-dessus. S'il te plaît, ne reviens pas là-dessus. S'il te plaît. Pardon, j'ai de sérieux ennuis. Mais s'il y a quelqu'un que j'ai vraiment aimé et toujours aimé, c'est bien toi, Suzy. Et tu es la seule personne à qui j'ai confiance. Jean-Philippe, arrête ça. C'est à cause de la confiance que je viens te voir. Arrête là. Ça, Jean-Philippe. Si tu m'aimais, même stérile, tu devais m'épouser. Encore, je ne suis pas stérile, tu vois la preuve. Hein? Oui, mais... Oh. Le c'est que moi, je t'ai jamais trompé pendant qu'on était ensemble. À peine je te quitte, je te marie avec une autre personne. Moi, tu veux que jamais j'ai été stérile. Suzy. Va demander de l'aide à ta femme que tu as choisie. Et tu me laisses tranquille, Jean-Philippe. Suzy. Tu m'as trop blessé, j'ai trop souffert. Suzy, s'il te plaît. S'il te plaît, Suzy. S'il te plaît, Suzy, pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je vais te cacher où? Je vis avec quelqu'un. Je sais que je t'ai fait mal. Je t'ai fait du mal. C'est que j'ai fait mal. Et je t'ai toujours demandé pardon. Je te demande encore pardon, Suzy. Jean-Philippe, je vis avec quelqu'un. Je suis enceinte de lui. Je vais te cacher où? Moi, je peux t'amener chez moi? Suzy, pardon. Je ne peux rien, Jean-Philippe. Je ne peux rien. Bien-aimés, soyez encore bénis dans la paix du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est merveilleux de louer le Seigneur. Bien-aimés, le thème de ce matin que nous allons aborder est un thème triste, mélancolique. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés, ce thème est la trahison. Bien-aimés, ce thème de trahison me rappelle Judas qui avait trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur le croix pour nous, bien-aimés. Oui, bien-aimés, c'est triste, mais c'est la réalité. Alléluia. Ce matin, rien qu'en regardant cette salle, ça m'interpelle. Je sens que parmi nous, il y a de la trahison. Alléluia. Amen. Ce méchant de faire du mal à l'autre. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire d'un frère du Moyen-Orient, Mbokounou, qui était un grand pêcheur. Il
vendait son poisson à Isaac. Toutes les personnes qui quittaient le Chibamba, de Mouina, de Bébé, de Fougam, de les papas s'arrêtaient à Isaac, de les pour acheter le poisson de Bobokounou, qui n'avait ni baccalauréat, ni bébés, et ni même le sel. Amen. Alléluia. Amen. Mais il avait la passion, l'amour de la pêche. Et grâce au poisson qu'il vendait, il a pu construire une bâtisse. Bobokounou a eu 3 enfants. Il s'est marié. Au moment où je vous parle, bien-aimé, Bobokounou a été chassé de sa maison par ses frères qui voyageaient, qui passaient tout leur temps dans les grosses voitures à faire des voyages à Dubaï, à New York, en Afrique du Sud. Que sais-je encore? Ça nous interpelle tous. Ne soyons pas comme Judas, frères et sœurs. Je sens qu'il y a des Judas dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne va pas faillir à la mission que le Christ nous a envoyé faire sur terre? Vous savez bien que nous sommes pécheurs. La vie est un mystère. La vie est un combat. Le péché est en nous. Alléluia. Amen. Nul n'est parfait sur cette terre. Alléluia. Amen. Le message que je vais vous donner ce matin, arrêtons de faire du mal aux autres. Ne soyez pas comme des brebis égarées. Soyez des hommes dignes. Je sens que j'ai été trahi par les traîtres. Rien qu'à regarder là. Je ne crains aucune paille, bien-aimé. Mes frères, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Le Christ vous aime. Jésus ne vous a jamais oublié. Il vous aime ainsi. Et l'amour du prochain. Mais votre présence m'interpelle. Différents de nous puissent savoir. Oui. Nous sommes venus vous arrêter. Vous venez m'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées au commissariat par vos fidèles ici présents. Donc nous sommes là pour ça. C'est pas parce que vous êtes pasteur que vous n'êtes pas justiciable. Donc vous allez nous suivre sans problème. Bien-aimé, le salut personnel, restez dans la paix du Seigneur. Et la foi. Pas de menottes. Et la foi comme le Christ a eu la foi. Aimez-vous les uns les autres. C'est juste un au revoir. Nous nous reverrons. À refaire, moi je suivrai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus. Ah Suzy, j'ai compris et j'accepte
d'aider Jean-Philippe. On n'oublie pas le bien que quelqu'un t'a fait. Jean-Philippe est parfois venu ici au village me faire des cadeaux, me donner de l'argent sans que tu ne le saches. Abo, tu es ici chez toi. Tu peux rester autant que tu voudras. Asisi, et de Madonna, Maïmi Kiawa, nom en feu, nom Maïm, et Yanni. Wabek Mazou le Rombofo, voilà. Maoua, mon homme, mon lona, bien bouffe, mitoa l'ambaréné. Le canafan ou la donna, dia qui, nous ayam, bave, viens un bon, pour la bobo. Orema, va montrer la chambre à ta belle-sœur. Ondo, papa. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus, car il est le secours qui ne manque pas en cas de. Coco, coco. C'est qui? Il est mon refuge. Il est mon refuge. Toujours pomponner, se faire belle, passer tout son temps à sortir, aller trouver ses nombreux copains. C'est sûr qu'elle y allait d'ailleurs. Je ne suis pas venue discuter avec toi. Madame, voici la décision du tribunal. Jean-Philippe a déjà demandé le divorce. On a eu la preuve de tes nombreuses infidélités. Dès cet instant même, vous êtes en séparation de corps. Donc tout ce qui te reste à faire là, c'est de ramasser tes petits effets et tes bâtards d'enfants. Tu sors d'ici pour te montrer que ce ne sont pas des paroles en l'air. Voilà, si tu sais au moins lire. Lis. Attends, Sonia. C'est toi maintenant qui grandis ici pour venir me parler en ces termes. Toi, Sonia. Je ne t'ai jamais vu même avec un petit comme même un dragueur. C'est toi qui veux maintenant t'ingérer dans la vie privée de ton grand frère. Au lieu de te fouiner dans la vie privée de ton frère, tu fais là-bas mieux de chercher un homme pour s'occuper de toi. Tu m'as entendu? Regarde-moi une fille comme ça. J'ai pitié de toi, hein. Mais regarde-moi cette fausse blanche-là. Hein? Yaya, laisse-moi ça, je vais lui répondre. Adèle, c'est qui? Tu as raison. Tu as raison de dire que tu m'as jamais vu avec un copain, avec un homme. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Je sais à quel moment je vais chercher mon mari. Toi qui en as eu un mari, des copains, qu'est-ce que tu en as fait? Tu parles de pitié. Tu veux dire le mot pitié, toi, Adèle? Tu veux que je te donne un stylo tout de suite, là, toi, Adèle, que je connais de A à Z, que je te fasse asseoir ici, que tu m'écrives ce mot-là. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, qui n'est même pas arrivé au CM1. Tu veux me parler? Même pour t'ouvrir le compte, c'est mon nom qu'on a dû mettre là-bas. Le petit français que tu as dans la bouche là, c'est parce que tous les jours tu entends Yaya parler ici avec les enfants. Tu es qui toi? C'est la grande gueule là que tu connais. C'est fini pour toi Adèle. C'est fini ton petit feuilleton là. C'est pas dans la maison de mon grand frère que tu vas devenir pute de luxe. C'est pas sur l'ordre de mon grand frère que tu vas devenir veuve heureuse. Mais tu es maudite Adèle. Il n'y a qu'une personne maudite qui vit dans de telles conditions, qui peut agir comme tu l'as fait. Il faut être maudit pour le faire. Tu voulais encore quoi de plus? Que la grande bouche, zéro dans la tête, veut se faire en bordellerie. Très bien. C'est fini là. Ramasse tes bâtards et tes petits effets. Vous sortez d'ici. De toute façon, on a toute la nuit. Je m'assois. Sonia, tu t'assois. On t'attend ici. Ma belle-sœur. Pardon, excuse-moi. Oh, c'est comment? Dans les pensées. Qu'est-ce qui te tourmente encore? Non, rien, les choses de la vie. Y a quoi? Moi, je sais que j'ai failli mourir pour Jean-Philippe là. Moins un, je me suicidais pour lui. Et aujourd'hui, je me lève pour ses problèmes.
Je sais, je suis au courant de tout. Toi-même, tu as vu combien de fois on est resté longtemps là-bas sur la route pour attendre la voiture qui pouvait t'emmener sur l'embaréné. Il n'y en a aucune. Et puis, vu ton état, moi, je ne veux pas que tu penses. Hein? Je vais te puiser de l'eau, tu vas aller te laver. Arrête de penser. Le problème, c'est même pas dormi. Je n'ai pas averti que je venais ici. Et chez vous aussi, le réseau ne passe pas très bien. Hein? Je vis avec quelqu'un, je n'ai pas dû au revoir. C'est pour ça que je te demande de te calmer. Tu as vu la nuit déjà en train de tomber. Je vais te puiser de l'eau. Tu vas aller prendre un bain, ensuite on va manger comme ça demain matin. S'il le faut, je t'accompagne sur l'embaréné. Je vais parler avec ton ami. Tu as compris. Faut arrêter de penser. Tu sais qu'avec les hommes là, tu vas commencer à penser. C'est pour voir l'attention, la fessée. Après, ils t'abandonnent pour aller à l'eau. Les hommes, c'est pas la peine. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Il y a un temps pour boire, pépélé. Il y a un temps pour boire, pépélé. Il y a un temps pour manger, oh, pépélé. Un temps pour boire, pépélé. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Ok. Une femme enceinte qui se balade. Moi j'ai faim. J'ai faim. Bref, moi-même je vais préparer. Je me vois là où tu vas dormir aujourd'hui. Aussi belle femme comme toi, vivre dans des conditions que je vois derrière moi, non, c'est pas sérieux. Toi au moins tu me comprends. Quand je pense que j'ai souffert avec Jean-Philippe, même quand on n'avait rien à manger, j'allais chez mes parents prendre la nourriture. Ah bon? Mais oui. À ce point? Mais c'est vrai, doyen. Jean-Philippe aujourd'hui, parce qu'il est devenu directeur général, il me jette comme ça, comme une moins que rien. Cet homme-là qui me maltraitait chaque jour. Il me battait. Il me torturait. Même pour me donner son argent. Il fallait des disputes à la maison. Chaque jour. Même les enfants qu'il a mis au monde, pour s'en occuper, c'était des problèmes. Heureusement que je suis une femme battante. Mais sinon, les gens devaient se moquer de nous dans la rue. Et quand même, depuis que je suis arrivée ici avec les enfants, il n'est jamais venu les voir, même apporter un centime. Tu as vu l'ingratitude des hommes? Eh bien. Jean-Philippe, c'est un ingrat. C'est moi qui supportais. Mais les gens ne savaient pas ce que je vivais. Je sauvais uniquement les apparences, doyen. C'est normal, c'est normal. C'est ce que doit faire une femme. Et dernier Romain, là, j'ai même appris qu'ils sont avec les putes de l'embaréné, là. Tu crois que c'est normal, ça? Mais vraiment, Jean-Philippe m'a déçu, hein? Ah là là. Adèle, c'est du passé. Dès maintenant, je vais m'occuper de toi. Avec tous tes enfants. Je vais appeler mes hommes demain pour chercher une belle villa, digne de ce nom, pour te redonner ton image, ton standing.
parce que tu ne mérites pas ce que tu vis actuellement. Adèle, c'était qui? C'était qui de quoi? Moi, je n'ai pas tes questions, idiote. Hier, tu n'as pas vu la petite soeur de ce monsieur arriver ici. Et je t'ai même expliqué que le monsieur devait arriver aujourd'hui. Comment tu peux me poser encore une telle question? Marco, tu es ici là parce que tu es en séparation de corps avec ton mari. Ressaisis-toi. C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Et tu penses que ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est bien. Attends, tu te permets maintenant de me parler comme ça parce que je suis dans ta maison? Hein? Attends d'ici là, hein? Je vais prendre mes enfants et je partirai d'ici. C'est quoi, c'est ça? Alors toi, tu penses que moi, je suis faite pour vivre ici? Capi, ici, unité mobile, vous me recevez? Unité mobile, ici Capi. Nous avons repéré le doyen, conduite à tenir. Assesseur. De là où nous sommes, nous ne pouvons pas dire exactement avec combien de personnes il est, mais nous apercevons juste Madame Jean-Philippe Récoula. Unité mobile, donnez-moi votre situation géographique. Nous sommes avant le collège Fanguinoveni. À votre droite, il y a un nouvel hôtel appelé la résidence hôtelière Sainte-Jeanne. Très bien, ne bougez pas. Attendez que j'arrive. Nous allons procéder à l'arrestation de ce colbosa. Gardez-le bien en vue. Bien reçu, Capi. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le sergent. Merci. Je me présente. Capitaine Kwakwa, force de police nationale. Ah, capitaine. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, nous venons vous interpeller par rapport au cas de viol qui s'est passé récemment dans la ville de Lambarini. Ouais. J'ai entendu parler effectivement à ce problème. On en parlait dans tous les journaux, dans toute la ville de Lambarini. Mmh. Et c'est pour cela que j'ai appelé Madame Récoula ici, que vous connaissez, à prendre ce petit repas et puis essayer de dire à Madame Récoula de se calmer et que c'est un problème qu'on va résoudre au plus haut niveau. Très bien. Mademoiselle, approchez. Monsieur, comme vous pouvez le constater, je vous présente la présumée violée. Elle se porte très bien. Oui. Elle n'a pas du tout été violée. Elle n'a pas été violée, capitaine. C'est vous qui le dites si bien. Mais pourquoi est-ce que vous vous adressez à moi? C'est pour vous dire que c'est un faux viol. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Ah, juste pour nuire à monsieur Jean-Philippe Récoula. Mais qui l'a inventé, cette histoire? C'est bien vous, monsieur. Mais non, bon sang. Je ne peux pas, moi, doyen d'ici, nuire à ce jeune garçon qu'on a fabriqué de toutes pièces. Vous savez, j'ai pesé de tout mon monde pour aider M. Récoula à être à la tête de cette société qui est Gaboma BTP. Nous sommes appelés à partir. Il faut bien qu'il y ait des jeunes. Monsieur le doyen, oui? Vu les témoignages et les preuves que nous avons, tout porte à croire que vous êtes le commanditaire de ce faux viol. Donc vous allez vous lever et nous suivre au poste de police. Capitaine Kwakwa. Vous savez, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, hein? Des colères comme ça. Tenez, il y a 300 000, vous êtes trois. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. Laissez-nous terminer. Merci, c'est gentil. C'est une preuve que vous ajoutez à votre lourd dossier. Vous pensez que moi, capitaine de mon état, vous pouvez m'influencer avec ces petits 300 000? Je suis un fonctionnaire d'état. C'est moi le chef ici. Et quand je vous demande de vous lever, vous levez. Vous allez vous lever et nous suivre pour que nous puissions vous poser quelques questions au poste de police. Et je vous demande, capitaine Kwakwa, de ne plus oser lever le ton devant moi. Je suis le doyen ici. Parce qu'un seul coup de fil, je dis bien un seul coup de fil, je vous affecte à Moulengi Binza pour le reste de vos jours. Ne me parlez plus jamais sur ce ton. Est-ce que c'est clair? Monsieur le doyen, j'en ai rien à foutre. Ici, c'est moi la loi. Et force reste à la loi. Donc, vous allez vous lever. Et si vous ne vous levez pas, on va utiliser la force. Arrêtez-le! Arrêtez-le!
Levez-vous, monsieur. Levez-vous. On se calme, on se calme. On se calme. J'ai dit arrêtez de soulever. C'est pas vous. Je suis le père. On y va. Allez, on y va. Bonjour Jean-Philippe. Je sais qu'en ce moment, tu vas être seul, que tu as besoin de calme. Mais je tenais quand même à venir te dire de vive voix que tu peux compter sur moi. Je sais que ce que ma copine t'a fait n'était pas du tout normal. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu nous voyais ensemble là, je lui parlais tous les jours, mais elle ne voulait rien entendre. Voilà pourquoi, quand vous avez eu des problèmes, je me suis retirée. Voilà pourquoi je suis venue te dire que tu peux compter sur moi. Si tu as besoin de quelqu'un à qui te confier, quelqu'un pour te faire la cuisine, je serai toujours là pour toi. Tu peux m'appeler à tout moment, à n'importe quelle heure. La vie, c'est comme ça. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Trop près de la frontière. Va-t'en. Le Seigneur bénisse richement à l'époque. Ne reviens plus jamais ici. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a trompé. Alors, tu te prends même pour qui, toi? Fais encore ton malin, là. Tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oublier que Dieu existe toujours, une vraie et totale séparation. Mes frères, j'ai envie de partager avec vous dans cette cellule un grand témoignage. Je me retrouve aujourd'hui à vos côtés, c'est parce que je n'ai pas su partager. Je confesse à l'Éternel de me pardonner. Je me suis égaré. Je n'ai pas su accomplir sa volonté. J'ai été aveugle, j'ai été trahi. J'ai été trompé. Je ne suis vu que le luxe. Je ne suis vu que la beauté de l'argent sans penser aux autres. C'est sûr que chacun d'entre nous a posé forcément un acte qui est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Mais rien n'est impossible aux yeux du Seigneur. Celui qui se confesse en vérité, sera pardonné par l'Éternel.
Mes frères, vous avez encore la chance de vous incliner devant l'Éternel pour lui demander de vous pardonner. L'Éternel est miséricorde. Il pardonne tout péché. Mais il faut que la personne puisse se confesser en vérité, rien qu'en vérité. La méchanceté n'arrange rien. L'orgueil n'amène nulle part. Le salut est plus important. Souvenez-vous de notre mère Ève, qui n'aurait pas dû s'arrêter et prêter attention au discours de l'adversaire qui s'était incarné dans le serpent. Voilà pourquoi il y a des cœurs brisés. Oui, nous pouvons le glorifier même au désert. Oui, nous pouvons le glorifier même dans notre douche. Oui, même sous une tempête. Car ce n'est pas le cadre qui compte, mais notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, notre foi. Car si nous le glorifions dans un palais, mais sans foi, le Seigneur ne nous accompagnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi tant de haine entre nous? Pourquoi tant de déchirures parmi nous, bien-aimés? Pourquoi tant de Congossa? Pourquoi tant de trahison alors que nous ne sommes qu'un tout petit pays, bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de cela. Le Seigneur ne nous l'enseigne pas. Comment pourrait-on répondre à toutes ces questions? Mais d'une seule façon. Oui, d'une seule façon. En nous acceptant tous, malgré nos différences. Nous devons accepter l'autre avec ses différences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soit des partis politiques différents, on doit s'accepter. Qu'on appartienne à une église différente, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. Qu'on appartienne à une religion différente, qu'on appartienne à un groupe ethnique différent, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. C'est ce que nous enseigne le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite ce matin dans cette église à répéter à votre voisin, ici même dans cette salle, la phrase suivante. Regardez votre voisin, prenez-le dans la main s'il le faut et dites, acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous avec 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 nos différences. 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 Encore. 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 Acceptons-nous avec nos différences. C'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire. Oh,
Oui, monsieur Rekula, oui, oui. Je ne peux que te voir comme ça. C'est quoi depuis le matin? Pas, le téléphone ne fait que sonner. Il y a quoi? J'ai déjà pris. Avant d'arriver au bureau, je me suis arrêtée à la poste. L'argent de ta chérie est là. Dès que je sors du bureau, je vais la chercher. On fait un tour à la PMI et je t'appelle. Tu as vu, Pinky? Je t'avais bien dit que je devais te manger. C'est le temps qui t'est encore seulement arrivé. Yaya n'est plus là pour te protéger. Allô, bonjour Cissé. Oui, monsieur Terex à l'appareil. Voilà, je t'appelle pour l'inauguration de la cafétéria demain là. C'est bon là-bas? Tout avance bien? C'est bien. Bon, je t'appelle parce que je voudrais que tu me fasses un plat là, pour mes invités moi. C'est du lapin au vin blanc. Oui, du lapin au vin blanc. C'est un plat qui se fait avec du lapin et du vin blanc. Donc il faudra passer à la maison tout à l'heure là, je t'attends. Comme ça tu vas venir chercher déjà le lapin et le vin. Ok, mais ne mets pas du temps, fais vite là. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation? Par rapport à quoi? J'ai fait quoi? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, pour association de malfaiteurs, comme vous le savez, votre grand frère est déjà au trou. Et vous avez été cité par lui comme le principal complice. Moi? Oui, vous. Et vous nous suivez au poste? Non, mais moi je comprends pas. Là je ne suis rien, là je suis perdu. Mais attendez, laissez-moi pas. J'ai quand même quelque chose à dire. Demain, c'est l'inauguration de ma cafétéria. Et après ça, j'avais prévu me rendre en Afrique du Sud pour les obsèques de Nelson Mandela. Hein? Monsieur, vous foutez le qui? Et d'ailleurs, sa famille m'attend même déjà. Mais attends. Mais la loi c'est pas... Attends, moi j'ai mon avocat, moi. Hein? J'ai un avocat. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi. Là où là tu tombes à ton... Excuse-moi chérie, excuse-moi de t'interrompre. Dis-moi, as-tu déjà pensé au nom de l'enfant? Non, je n'ai pas encore pensé à ça. Faut y penser dès maintenant. Bon, c'est vrai que son père s'en est allé dans des conditions tragiques, paix à son âme. Mais je voudrais que tu saches aujourd'hui que cet enfant aura un père. C'est moi. Donc je te propose, ou si tu veux, je voudrais qu'il s'appelle Emmanuel Rekula. Comme ça, il sera le témoignage vivant de la puissance de la foi. Amen, gloire à Dieu. Mais c'est pas sérieux. Tu me promets 200 000 et tu m'emmènes 50 000. Moi, je m'en fous de tes problèmes. Je t'explique que j'ai des soucis en ce moment. Tu peux même pas te mettre à ma place. J'ai même commencé à vendre mes effets avant d'arriver ici. Mais tout le monde m'a promis que la fin du mois. Contente-toi de ça. Ou bien si tu veux, je te donne le reste du bijou que j'ai là. Ah, laisse-moi ça. Si tu n'as pas l'argent, tu sors d'ici. Oh chérie, tu me fais maintenant ça. Est-ce que tu m'as compris? Si tu n'as pas l'argent, tu sors d'ici et maintenant. Chérie, s'il te plaît. Allez, sors. Oh, sors. S'il te plaît, s'il te plaît. Dehors. S'il te plaît. Chérie, c'est bon, tu peux venir. Ton bébé, qu'est-ce qui se passe avec la vieille? Tu as entendu gueuler? Je l'ai chassée d'ici. Tu te rends compte? Elle est au tombage. Elle n'a plus un rond. Elle n'a plus rien du tout. Que veux-tu que je fasse encore avec elle? Que tu m'as expliqué là quand tu m'as remis la potion, c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis partie, j'ai préparé, j'ai mis ça à mon mari dans la nourriture, il a mangé, j'ai même servi. Tu sais que tu te prends ton peu de potions. Pourquoi moi je vais me tromper de potions toi aussi? Mais parce que je te donne beaucoup de potions, de peur que tu te trompes parmi les potions que je t'aime à l'habitude. Tout ça toi aussi, même je connais là où je cache toutes mes potions que tu me donnes habituellement. Parce que parmi les potions, il y a des potions. Voilà pourquoi je te pose cette question. Et moi ça m'étonne. Si une potion comme celle que je t'ai donnée là, ça n'agit pas sur le corps de ton mari, pour moi c'est pas normal. Parce que c'est une potion que j'ai fait ici à la marinée.
Le même jour je donne, le soir tu comprends, il est parti. Mais ton mari n'est même pas à cette caution-là. Non, là ton mari il est loin. Il y a un grand esprit qui couvre ton mari. Oh, oui. Ça, ça c'est quel esprit? Il faut bien regarder ça. Oh. Un esprit de monde qui brille beaucoup, la lumière, je vois un truc, je vois comme une lumière comme ça, il ne sait pas les parties soulever ça. Oh, Moussa, il faut bien regarder. Oh. Il faut vraiment bien regarder. Et ton alliance, c'est où? Tu as mis ça où? Moussa, l'alliance, j'ai enlevé ça le matin. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle maintenant problème. Tous les jours que Dieu fait, j'ai un problème dans ma vie. Hein? Tu te obligé de jeter ça? Il faut que tu trouves une solution, Moussa, parce que là, là, c'est le dernier secours là que tu peux m'apporter. Après toutes ces années de souffrance, je me retrouve sans rien. Moussa, il faut faire quelque chose parce que là où tu me vois, là, tu es mon dernier espoir, Moussa. Si tu ne fais rien, Moussa, je ne peux pas sortir d'ici là. Il faut une solution. Tu vois? Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Ça confirme ce que je venais en train de te dire tout à l'heure. C'est ça? Là, là c'est ton mari qui est en bas. Et là, c'est le grand esprit qui couvre ton mari. Ton mari est loin. Là, il est protégé. Je sens que c'est fort. C'est difficile. Non, Moussa, ça ne faut pas me dire ça. C'est difficile pour atteindre Moussa, Moussa, pas, ne me dis pas ça. Moi, j'ai confiance en toi. C'est ton marabout depuis plusieurs années. Hein? Tu ne vas pas me laisser tomber aujourd'hui? Moussa, pardon, fais quelque chose. Hein, Moussa, ne me laisse pas tomber. Regarde comment je suis devenue misérable. Je n'ai plus rien, Moussa. Même si tu vois là où je dors en ce moment, tu ne sauras même pas que c'est la grande femme là qui était dans les grosses voitures là à la marinée. Hein, Moussa, pardon, fais quelque chose, sinon je vais mourir. Moussa, souviens-toi de tout ce que je t'ai apporté ici avant. Hein? Tu ne peux pas me laisser tomber, Moussa. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution, je vois. Je vais faire appel au plus grand esprit. L'esprit le plus fort de la terre. Le chef de tous les esprits qui m'a délégué par mes parents. Il faut l'appeler, Moussa. Mon père et ma mère. Oui. Tu vois l'homme là? Tu vois l'homme qui est là? Oui, Moussa. À chaque fois que tu viens, c'est ce que tu vois pas l'homme là? Il est toujours là. Voilà. C'est lui qui résout tous les grands problèmes du jeu ici. Quand tu comprends, oh, Moussa est fort, oh, Moussa est fort, c'est lui. Moi, oh, Moussa, la vision, oh, il va loin, c'est l'homme là. Il déclenche toutes les grandes situations, comme que tu vois là. Mais si je prends la peine de faire sortir l'homme-là de cette maison, le plus souvent il ne sort pas de chez moi. Si je prends la peine de faire confiance, c'est parce que je vois toi, ma femme, on a déjà signé un pacte. Oui, Moussa. Et on peut se confier les secrets. Quand tu vas sortir de cette maison, le premier homme que tu vas rencontrer, tu pars vers lui et tu touches son sexe. Tu tournes le dos. Tu pars tout voir. La première poubelle que tu vas avoir, tu jettes ça dans la poubelle. Tu pars, ne t'en fais pas. Il va revenir seul. Et je souhaite que la mission est accomplie. Donc ne t'en fais pas. Oh Moussa, mais je vais faire comment? Mais l'homme là, il sera habillé. Je vais le déshabiller. Non. Comment je vais faire pour toucher son sexe, Moussa? Non. Tu n'as pas besoin de déshabiller l'homme. Tu pars seulement, tu touches à l'endroit indiqué. Et tu tournes le dos, tu pars toute voie sans regarder derrière. Tu pars toute voie. Tu pars vers l'avant. Quel que soit son âge, même si c'est un vieux ou un enfant, même un bébé, un homme c'est un homme. Et une fois que tu as fait ça, tu vas voir, même soir, ce soir-là, ton mari, il va t'appeler, il va te dire rentre à la maison et vos problèmes seront résolus. Quelques jours plus tard, tu vas trouver ton mari mort dans la maison. Il mourit mal, très mal, j'ai dit. C'est ce que je veux. C'est ça la vie que je veux. Parce que je suis fatiguée avec ce problème-là. Attends. Mais, il y a une chose que je voulais te dire. L'homme que tu vois là, il vit. Il se nourrit. Et il mange beaucoup. Donc, si tu rates la mission, il va te manger. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je te dis, mais moi je t'apprends. Arrache! Arrache! Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami,
tu es allé trop près de la frontière. Tu as oublié que Dieu existe toujours. Jean-Philippe, tu as vu ça? Ouais, j'ai vu. La colère de Dieu. Eh oui, chérie. Elle est juste et impitoyable. La chicotte invisible. Quand elle frappe, c'est grave. Ésaïe 45, versets 9 et 10. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Papa, Dieu sait pourquoi il permet telle ou telle chose.
Je sais que ta mère n'est plus là, mais je te jure sur ce que j'ai de plus cher en ce qui concerne ton école, ton éducation, ta réussite, je serai toujours là. Dieu sait pourquoi il a voulu que les choses se passent ainsi. Que sa volonté soit faite. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ. Car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi. Il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi.